Eh bien, salut à tous et à toutes mes très chers gamers, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live sur une map découverte de Custom Zombie, qui est une map qui existe déjà depuis Black Ops 1, mais qui a été repris également sur BO4 et qui maintenant fait son grand retour sur Black Ops 3. Je l'ai bien nommé Call of the Dead Remaster. Voilà. On va voir qui invite pour. Simplement pour. Pour prendre la connexion. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement, on va faire ça comme ça. Attendez que je vérifie que j'ai bien tout mis. Regarde, voilà, hop. Mon téléphone, il est sur mode vibreur. C'est parfait. C'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller également sur. Pour tout ça. Salut le what the fuck. Allez, c'est parti les gars. Let's go. Je vais les rejoindre sur le salon live. Rien, j'arrive à rien faire en solo, c'est chiant. Il faut pas s'énerver comme ça, voyons. Pourtant, moi, quand j'ai testé la map, j'ai lancé un petit logiciel, j'ai mis vie limitée, c'est passé tout seul. Mais là, j'étais sur une autre map, j'étais pas sur Call of the Dead. Oui, mais moi, ça marche sur toutes les maps. Oui, je sais, mais moi aussi, j'ai essayé un mode sur la map, la map qu'on a fait avec Mac hier. Mais malheureusement, en fait, tu vois l'étape avec des trucs électriques, là. Ah, Mike. Et bah en gros ça m'a one shot alors que j'avais activé le god mode, c'est le pire. Et en gros je sais pas ce qu'il a fait mais en gros dans les scripts il a mis un truc en gros anti-mode menu ou un truc dans le genre. Et il a pas été con tu vois. Oui. Bon je lance OBS. Bon, j'ai une question, ouais, la même que Mike. Non. Qui rejoint qui? Non. Oh non, j'ai une peau de merde, non. Ça vous le savez tous, hein. Et... Pour paraître honnête, hein. Ouais, j'ai pas chargé le mode encore. Quel mode? Ouais, j'ai pas chargé la map, ni enfin, du coup, pas le mode qu'il y a, quoi. Moi non plus, j'ai pas encore chargé la map. Parce que fallait charger une map. Pas Call of the Dead. Hein. Okay. Elle fait combien de gigas? Je crois 3-4 gigas, je crois. 4 gigas 1. Ok. Et tu avais pas de download, la Call of the Dead? Si. Si, je download, moi, c'est déjà dans la boîte. Bien sûr, je l'ai download. Bah, je sais pas, j'ai eu un doute là, du coup, je savais plus si j'avais vraiment le mec, ou pas. Je t'ai dit que j'avais testé hier, donc réfléchis. Oui, mais j'en suis plus, ok, j'ai. Voilà. Il a énormément. Du 115, il a des trous de mémoire. Ouais, j'ai bouffé du poisson 515 là. Ouais. Du. T'as bouffé de l'iode? Ouais, j'ai fait de l'iode, ouais. Exact. Et j'ai bouffé de l'iode. Les huîtres étaient peut-être un peu trop iodées pour toi. Ouais, il y avait un peu trop de 5-15, hein, là. Il n'y a pas que les poissons qui sont iodés chez Phil. Hein? J'ai pas suivi, là. Ouais, mais moi non plus, j'ai pas eu trop capté ce qu'il a dit. La photo que t'as reçue. Bon, moi je dois rejoindre Mike parce que j'ai que Mike dans ma liste d'amis sur ce compte là, alors que pourtant j'étais sûr d'avoir ajouté moi. Attends, t'es sur quel compte là? Protégé. Ok, oui, d'accord. Ok, je pensais t'avoir accepté, mais. Mais si vous voyez que j'ai mon pseudo normal, c'est normal. En gros, j'ai mis un patch en gros qui me permet de rendre mon jeu plus fluide. Et moins buggé. Et c'est pour ça que vous verrez mon pseudo normal.
préfère prévenir avant qu'il y en ait qui commencent à stresser. Alors là, t'imites pas une personne en train de stresser, t'imites Phil en train de se faire Emily, là. T'es sérieux, là? En plus, elle regarde le live, mec. Ok. Mike, il va... Je vais l'amener Georgie sur la gueule. Mike, alors, il est mort. Écoute. Je ne manque aucun respect. Je ne manque pas de respect. Il s'est passé. Il y a eu une relation. Hein. Je ne ferai que citer des faits qui sont passés. Georgie, sur cette version, il est violent de ouf. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est... Ah oui, mais Georgie, faut pas l'énerver. Hein. Non. Ah, je peux vous dire, moi, il a la vitesse d'un super sprinter et il te défonce en un coup, en fait. Non, mais en gros, moi, j'ai testé le jour de sa sortie avec un pote, on s'est fait démonter la gueule par Roméo. Il nous a pris, il nous a fait RKO Tombstone, et hop, c'est bon, les deux mélangés, c'est fini. My name is John Cena. Roméo, tu parles? Ah oui, le gars, il est chaud de ouf, il est vénère. C'est Romero, mec. C'est Romero, pas Roméo. Là, t'as mélangé du Shakespeare avec un truc de zombie, là, c'est... Ouais, c'est bon. Bizarre. Bon. Qui va vite, qui, là il en manque un, toujours le même. Bah, il faut que Mikey va vite. Ouais. Ah oui, ah, c'est vrai, oui, putain, merde, ça, bah oui. Oh, je suis bête, hein. Je croyais que tu pouvais rejoindre. Ah non, en fait, comme en gros, on est juste en ami et en suivi, je peux pas te rejoindre. Du coup, chat, j'ai fait quelques tests ce matin. J'ai augmenté le débit de bitrate. Donc à la base, j'étais à 2500. C'est pour ça que hier, sans doute que le live était un peu pixelisé de ouf. Là, je vais augmenter à 5000 de bitrate. Donc là, je vois que sur Streamlabs, en termes de processeur, normalement, c'est ça qu'il y a là. Ouais, c'est le truc, l'information UC. Ouais, ça va être le processeur. Il est pas vraiment... Enfin, il est correct, quoi. Après, tu voyais que ça cale trop, qu'il y a des trop de pertes d'image ou que ce soit. Mais que moi, par contre, je n'ai zéro perte d'FPS. Dites-le-moi. Je couperai le stream, je remettrai à 2500 et installer à 120p. Voilà. Ça sera bien pour tout le monde, mais normalement vous pouvez vous-même choisir la résolution de votre stream. C'est-à-dire que vu que je suis affilié, moi je stream à 1080p 60fps, et vous pouvez baisser vous-même la qualité pour avoir une qualité d'image et de stream plus fluide. Voilà, vous pouvez par exemple avoir 720p 60fps, 480p aussi. Oui, 480p, 360p et 160p. Mais je vous déconseille les... déjà 480p, c'est... Voilà, c'est pas terrible. Mais au moins 720p, vous pouvez avoir une bonne qualité stream. Sur ce, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est ready? Eh ben, on voit ça, ça. Les gens, voilà. Il y a Emily qui te demande comment vous allez, les gars. Bah, très bien, et elle? Elle, ça passe. Je réponds pour elle. Ça passe. C'est pas terrible, mais ça passe. Oh, mais gros, c'est ce qui fait mon téléphone. Tranquille, là. Je prends un appel de journée. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. Je vais le baisser un peu, peut-être. Voilà. Bon, moi je vous préviens les gars, je vais être Sarah Michel Gellar. Ouais, tant qu'il a pas sa meuf, il recommencera la game. Pas les couilles, frère. Et en face restart. Oh, je suis Sarah Michel Gellar. C'est normal, mais t'es l'autre, mais t'es con. Ah non, je suis pas, c'est pas moi, c'est Mike. Mais vas-y, quoi, putain. T'es un très gros, Mike vient de spawn devant moi.
T'as fait voir? Normal, je suis en train de load. Bouge pas, Mike. Et putain. Et vraiment, honnêtement, Sarah Michel Gellard, il... Ah ouais, bouge putain. Pas, il... Bouge pas, Mike. Bouge pas. Voilà. Bah non. Attends, Sarah Michel Gellard. Attends, j'arrive. Alors déjà, de 1, c'est Gellard. C'est pas un G comme un J. Ouais, je la prononce à la française. T'inquiète, ça va se régler. Hein. Ah Mike, t'as fait quoi encore? J'ai pris le bordel. T'inquiète, hein. Ça va se régler, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va se régler sous la couette ce soir. T'inquiète pas, frérot. Fais voir votre effet, toi. Ouais. Là, t'es où? Je veux voir ton perso. Ah ouais, il les a vraiment bien refait, hein, putain. Mmh. Ah, excellent. Blend, hein, mais à mon avis, il les a parfaits. Hein. À mon avis, c'est les mêmes. Hein. Oui, mais c'est les mêmes, il les a retravaillés. Terme graphique. Bah oui. Par contre, le modèle de George, je suis désolé, il a été refait. Tu mourras pas comme ça, Mike, arrête. J'essayais pas de t'avoir, je voulais tuer son but. J'ai eu quelqu'un d'autre. Mike, il casse déjà les couilles là, vraiment. C'est ça, j'ai vu comment il est tombé, gros. Mince, c'est tombé. Mec, j'ai exactement fait une Call of the Dead hein, sur BO1. Hein. Oh putain. Oh là là. Mais ouais, non mais. Mec, tu m'as fait down, what the fuck, hein. Je t'ai renvoyé à l'ascenseur, par politesse. Mais je t'ai pas fait down, t'es en train de load. C'est une bonne question. Non, j'étais là et j'étais dans mes paramètres audio pour baisser le son du jeu. Et en gros, c'est juste ça. Il y a un filtre anti-pop pour éviter c'est que ça... C'est pas moi qui l'ai tué, c'est Georges. Ouais, lol, t'as dit, ouais, mec, reste là, ouais, t'inquiète. Bah, eh, mais t'es pas obligé de m'écouter, hein. J'étais dans les paramètres pour régler l'audio. De toute façon, tu voulais que je fasse quoi? Je pouvais pas le sauver. J'ai décidé de t'enculer. Je pouvais rien faire là. Hein. T'inquiète, Phil, t'es le prochain. Ah, je suis le prochain. Ah oui. Ouais. Bah, vas-y, essaye, frérot, essaye. Je t'en prie, vas-y. Bon, les gars, bah merci. En bas. C'est trop il y a 3 zombies qui m'ont encerclé au niveau de la porte pour aller au bateau. Non mais là c'est de ma faute là, désolé. Le mec, il reconnaît que c'est de sa faute et quand c'est moi. Oui, bah oui, là je reconnais, c'est de ma faute, je suis pas un fils de pute. Oh putain, il est deux. Ouais, il est trois. Mais genre vraiment. moi j'étais témoin de voir Watt tomber comme une merde. Bah j'ai essayé de passer pour de passer Non mais t'as bien tenté gros. Il y avait Romero à côté, j'essayais de passer pour une Vrea et ça ne s'est pas basé en fait. Et Razav. Vas-y, je vais Vrea Mike. What the fuck? Ouais, il hein, y en a un qui est sympa au moins. Je dis ça, j'y ai rien. Bah, j'avais un peu Georgie au cul, hein. Ouais, c'est vrai, il avait. Ouais, c'est vrai que là, il y avait Romeo qui arrivait. Hein. Ils avaient trop lui tirer dessus. Hein. Les gars, faut arrêter. Oh bah Phil! Phil, qu'est-ce qui se passe Phil? Bah dis donc! On est tombé! Je me suis pris en zone de zombies, sinon je serais passé. Hein. Qu'est-ce qui se passe Phil? Bah. Oh, je suis vraiment désolé, je crois que j'ai tiré sur Georges malencontreusement, je suis désolé. Non, c'est What the Fuck qui a tiré. Non. Bah non, non, moi je l'ai vu courir sur moi. Ok. Je suis désolé, je lui ai mis une balle sans le faire exprès. Je n'ai pas tiré dessus. Bah du coup, faudrait peut-être ouvrir là. Bah on va au bateau les gars, parce que le courant est là-bas. La boîte est là-bas. Oh la boîte, tu sais, le mec il est tout de suite attiré par la boîte. Et par contre, si c'est Phil qui a le charognard, je l'encule. Bah attends, on va aller c'est voir bon, ça. Hein. Ah mais elle est là-bas. Mais gros, si t'as la VR11, t'es tranquille, qu'est-ce que tu vas gonfler? Mais la VR11, elle me plaît pas! Putain, la boîte elle est pas là, t'es sérieux? Mais si, elle est dans le fond, t'as. Ah, oh, elle est dans le fond, mais lol, tu crois que je vais au fond, moi? Il faut y aller au fond. Au fond du bateau, bah oui, t'as 3 armes en plus. Oui. Allez, première boîte.
Faut pas hésiter à aller dans le fond. Hein. Oh non, allez, non, reste dans le boîte laser. Oh, c'est le laser. Putain, mais. Mais Charo, ça va être dur. Ça va être dur. Non, mais vas-y. Il est sérieux. Oh, Python. Oh, les gars, le Python, c'est mon arme favorite, les gars. Bon, toi, tu vois. Attends, j'en ai besoin là, s'il vous plaît. J'ai au lieu de cramer la boîte. Mais moi, c'est bon, j'ai mes deux armes. Le laser, il est pourri, hein. C'est celui de PO3. Hein. Merci. Et alors, je m'en branle. Je vais pas te l'avouer. Le laser, c'est de la merde. Le laser, ça passe. Ça passe. Ouais, je me suis sacrifié pour très what the fuck, hein. C'est moi, je l'ai couvert. Je sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Chargé. Ah non, stop. Putain, zombie de merde, là. Bon, je vais tenter d'avoir un passé start, parce que là... Non, c'est bon. Deux, hein. Ah merde. Bon, gros, moi je suis bien. Laser, Python... Moi, je suis Charognard et Python. C'est bon. Non, je suis vas-y. Change d'un fil. Quoi? Change d'un fil, s'il te plaît. Fils de pute. Eh les gars, un conseil, ne faites pas les gobble-gum. Parce que vous pouvez avoir un gobble-gum en quelques instants, mais ça marche pas. C'est equipment use, et en gros, ça utilise ton gobble-gum. Donc en gros, ça peut te la mettre à l'envers. Ah d'accord. Et en gros, moi, il y a un. Moi, bon, moi j'aurais bien une arme parce que je suis toujours en M1911 depuis tout à l'heure. Elle est au spawn. Oh, mais what the fuck, t'es sérieux? Attends, j'arrive. Non, bah, attends, tu veux que j'y aille, Mike? Bah, vas-y, hein. Non, mais vas-y, fais en face. Ah, Hog! Attends, c'est celle de BO? Ah, oh, oui, c'est celle de BO. Attends, j'en ai un grand, merde. Là, c'est un peu chine. Bon, bah. Bon, cette fois, les gars, on meurt pas comme des quiches, hein, entre les gars? Hein entre les connards qui excitent Romero comme des putes là. Ça va bien 2 minutes, mais. C'est un peu chiant, quoi. En tout cas, le scavenger, il était. Enfin, visuellement, il était excellent. Ouais, il est pas. Le FX de l'explosion amélioré quand tu butes le zombie, c'est pas mal, mais. Il manque le petit son, tu sais, le son, tu sais, quand l'explosion améliorée. Ah, après, je l'ai pas amélioré, mais... Bah, moi, je l'ai testé amélioré. Le petit son de l'arme de l'explosion améliorée, il est atténué, ça me plaît pas trop. Mais des balles avant de cutter Reznov. Par contre, j'ai pas encore remis mon jeu en anglais, mais là, du coup, ça me l'a remis en anglais, là, du coup, pour la map. Nice. Ok. Ouais, nice. Que t'en as à foutre de côté de mettre des balles dans un zombie de manche 1. Ça fait plus de points. Mais non. Oui, ça fait plus de points, mais tu peux pas en fait mettre 7. Il a bloqué à 4 ou 3 manches 1. Ah, tu mets 4 balles encore et un coup de cut. Genre fais ça. Ah, j'ai réussi à mettre 8 moi des fois. Hein. Quand tu tires dans le pied. Bah, en vrai, oui. Si tu tires dans le pied, oui. Par contre, la bombe, est-ce que ça énerve Georges? Non. Oui. Non, alors, non. En fait, ça l'énerve pas, mais ça le fait rager. Ouais, ça le fait rager. Alors, Georges, quand tu prends une bombe, Hitler, il court, tu vois. Ouais. Ah, sur Dacia Renros? Ouais, quand tu prends une bombe, Hitler, il court. Ah, bah, j'avoue, j'ai pas fait le secret de la map, alors autant te le dire. Hein. Déjà qu'on doit faire déjà le secret de... Non mais voilà. Par contre, évitez... Attention, je ramène Georgie les gars. Dégagez. Vas-y, mets-le dans l'eau. Viens. Ouais, mets-le dans l'eau, je suis là. Voilà, c'est bon. Nickel. Ah mais non, on prend pas l'immune alors que je suis là. Mais bon, pas l'immune. Ouais, il faut le rire avant. Les fils. Ouais, là c'est my bad. Clairement. C'est pas grave, il faut pas oublier les anciens réflexes. Ah, j'ai un shoot de poney. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression. J'ai. Enfin,
Tu sais, j'ai l'impression que ça va réanimer les munitions de l'arme, les gars. Non, on est pas sur BO4, mec. Non, oui. On est pas sur BO4, ni Cold War. Ni Vanguard. Moi aussi. Non, il y a certaines maps, de Vanguard qui sont bien. Si on parle de Shinonuma, moi j'aime bien, tu vois. C'est de la merde. Putain, Georgie. Oui, mais même si c'est remake ou quoi, mais oui, franchement, mais... tu vois, j'aime bien y jouer, tu vois. Elle a été agrandie, ils ont mis le pack un punch. Mais même Nuketown Zombie qui a été agrandi, tu vois, c'est mieux que Shinonuma agrandi. C'est ça que je veux dire. Les gars, on garde un zombie ou on fait comme tout à l'heure? On garde un zombie. On garde un zombie, ouais. Merde. Garde un zombie, on a dit. Ah ouais, faut garder le zombie. Merde. Ah bah c'est une soon, hein, excuse. Hein. My bad, c'est moi qui suis passé à côté, c'est bon, je le gère. Ok, soon. Ok. C'est bon. C'est géré. Et Mike, ce que tu m'as envoyé, j'ai téléchargé. Hein. Que? Bah, ce que tu m'as envoyé sur Discord en privé. Ah oui, oui, le rush, oui. Ouais, je l'ai passé hier, je suis allé. Ouais, ouais. J'ai téléchargé, j'ai mis dans mon dossier, j'ai mis vue de Mike, comme ça au moins. Ouais. Oui. J'analyserai plus tard, et voilà. Bon, du coup, on laisse un zombie ou pas? Oui. Ouais, on laisse un zombie, là. Ok. On dévie. Ouais, c'est vraiment putain. Mais oui. Mais j'ai trop envie de tenter une force route sur cette map maintenant. C'est une dinguerie. En first room, moi je crois que j'ai fait manche 12. Enfin, parce que je voulais faire des points, tu sais, je voulais me faire 15 000 ou 20 000 points pour tout ouvrir et faire secret. Donc voilà. Il y a un moment. Ah ouais, cette map aussi, elle me. Enfin, du coup, sur le 3, elle me donne bien envie de faire cette first room. Moi j'ai envie de faire la strat de tag sur celle-là. Ouais, mais je suis impossible. T'as pas le rocket de... Elle est où la boîte? Ah, elle est là-bas. Dans le fond. Elle a une 72 low. Ouais, elle est bien dans le fond. Ouais, il faut bien y aller là. Ouais. T'as le M72 low qui est, on va dire, un équivalent entre guillemets. Oh lol. T'as double coup de point zéro sur la map. Ok, avec Phil, c'est bon, on est bien dans le fond là. Ah, il y a Mikey aussi. Ah bah, ça c'est va. On est dans le kill. Ça va. Voilà, ça va ça. Dictal Sum, c'est moi. Bah, ça va, tu vois, tu l'as eu. Non, franchement, what the fuck, il est bien amélioré. Il a 700 munitions en réserve. Ah, pas mal, c'est très bien. Ça m'a fait un peu, putain, frère, t'as vu, j'ai quoi? J'ai un sniper. Aïe. Allez, Face Clan. Bon, oh, vas-y. Par contre, je kiffe la FAMAS. Hein. Ah, la FAMAS, elle est bonne. Mec, t'as les CZ améliorés, ils sont bien. Ah, du coup, personne n'a allumé le courant. Non. Ah, bah, je suis au Masto, c'est bon. Oui. Non, il est où? Alors là, si vous avez pas capté l'ironie de what the fuck, c'est que vous avez un problème. En plus, le FAMAS, j'ai tiré au FAMAS, moi, dernièrement, donc. Oh, bah, what the fuck, c'est bon. Attends, mais y a pas de boîte ici, merde. Oh non, putain, vas-y, active le courant. Oh, putain. Ah. Ah, laisse-moi faire une boîte, s'il te plaît, what? Au fil, je sais pas qui. Moi, je suis au spawn, là, clairement. Et personne n'active le courant. Mais je vais y aller, activer le courant, vous inquiétez pas, les gars. Mais lui, il prend même pas son arme, frère, il me laisse dans la merde avec mon sniper de merde. Mec, c'est un HSIS, tu crois que je vais le prendre? J'ai une RPK. Frère, tu casses les reins. Je sais. Ah ouais. Je suis désolé, c'est le tir du charognard qui l'a énervé, je suis désolé. Non mais sérieux, mais... J'ai pas fait exprès. Tu sais qu'il faut pas tirer au charognard. Quand vous voulez pour activer le courant, les gars. C'est fait. Ah, merci.
Je vais te demander, ouais, frérot. Vas-y, c'est pile le moment où je me casse. Ouais, je vous déteste, vous l'avez ramené sur moi. Putain. C'est où, Raznov? Masto, mais c'est bon, il est calmé, le Roméo. Je vais aller chercher, je vais aller réaller, what the fuck. Je suis là. T'inquiète, j'ai le zombie sur moi, je vais m'amuser avec. Alors les gars, il y a un petit easter egg que je... Ah putain, je peux pas prendre Masto. Ah non, je peux passer de l'autre côté, c'est vrai. T'es bête ou quoi? Ah, excuse, hein, c'est la panique. Là. Eh les gars, vous pouvez m'ouvrir jusqu'au fort pour que je puisse faire une boîte, s'il vous plaît? Parce que ça coûte cher. Elle coûte combien, celle-ci? La première porte, c'est 750, et la deuxième, je ne sais pas. Celle-ci, je peux te l'ouvrir. C'est... Mais la deuxième, je pourrais pas te l'ouvrir, frérot. Eh ben, ça sera le bleu. Allez, qui va venir. Avance. RJ. C'est qui a 3000, là? C'est what? C'est Nut. Eh, hey, Nut, viens ouvrir la petite porte pour Bibi. Et... En plus, ça coûte 1000 points, ça va, c'est pas cher. Les gars, aussi, petit truc, quand vous êtes coincés, venez. Résumé... Oui, tu peux passer, là, oui. Bah, avant, tu pouvais pas. Oui, mais... Moi, c'était logique. Voilà. Ah, ils étaient pas obligés de penser à ça, tu vois. Bon, bah, on est obligé de passer la manche. Ouais, passer la... De toute façon, il va nous falloir des points, donc... Ouais. Oh, oh, meurs pas, hein. Il m'a fait peur. Je réagis. Ouais, attendez avant de passer la manche. What the fuck, c'est un pingouin, il est dans son élément naturel en Sibérie, il arrive pas à se repérer. Je vais essayer de passer sans que Georgie me défonce la gueule. J'ai ouvert la première porte à 750. Ah, pour aller dans le phare? Bah... J'ai ouvert la porte du spot. Au phare. J'ai ouvert la porte du spot. Vous m'excuserez, j'ai passé la manche. Hein. Oh, bah pas besoin, de toute façon, c'est ce qu'il fallait. Ah. Pourquoi je suis en train de me la jouer à la version B1, dès que je me prends une claque, je suis... Bah c'est comme ça qu'il faut réagir. T'as les bons réflexes. Parce que les zombies, pour moi, il a remis le système de B1, donc... Ouais, voilà. Clairement. T'as juste la santé qui est la BO3, tu meurs en 3 claques, mais excepté ça, non, tu prends des doubles, hein, comme sur B1. Tiens, mais tiens, je t'ai ouvert une porte. Oh, bah oui. Non, faut pas ouvrir celle-ci. Mais non. Et de toute façon, vous m'en foutez, vous pouvez tourner, de toute façon, c'est bon. Mais non, tu peux plus maintenant. Mais si, t'as l'un qui tourne dehors. T'as l'un qui tourne dehors. Mais oui, il y a deux. What? Eh, Nut, viens avec moi dans la tour, s'il te plaît. Oui. Viens avec moi dans la tour, s'il te plaît. Viens. Vas-y, là. Je suis là. Tu peux payer cette porte, s'il te plaît? Ça coûte pas cher. Tu pourras. Merci. Moi honnêtement, avant il y en avait un qui tournait à caillou, j'ouvrais cette porte, je suis allé derrière du char. Oh non, la boîte elle est là où il y a le... Oh putain, elle est derrière. Ouais, elle est à Deadshot, désolé. Bah non, je suis à Deadshot justement. Elle est pas là. Ah non, elle est stamina. Ah oui. Les stamina. Bon, ah, moi je vais commencer le secret. Et du coup, c'est quoi la première étape du secret, les gars? Tu récupères un fusil et tu la donnes. C'est quoi la première étape? Tu tapes à la porte, hein, tu dis bonjour, c'est le livreur qu'on a poste. Et ensuite tu vas récupérer le fusil. Et du coup le fusil, vous savez où il est ou pas? Ouais. Là où il y a l'emplacement du bouclier dans Tag der Toten. Il peut être soit ici. Alors attendez, attends, j'y suis pas, il faut quand même que je montre au chat quand même. Bah tu le prendras. Ah. Putain, c'est pas ouvert. Mais bon, moi un instant. C'est... Et le PhD, c'est pas celui de Harry BO21. Je suis déçu. Je suis déçu. En même temps, le que c'est lequel. Alors, du coup, tu m'as dit... Le PhD Harry BO21, t'as les grenades qui se divisent quand on lance une. Du coup, pour la strat de tag, ça aurait été parfait. Ok, j'ai récupéré le fusible. Et là, il faut que j'aille le déplacer. Ouais. Et je crois que normalement, après, c'est étape avec les grenades. Ah, t'as cru. Plus loin, instant.
Non, c'est pas vrai. Okay. Donc en fait, c'est le même secret que BO, hein, toi. Ouais. Et il y a un petit historique sympa que je peux vous montrer, si que j'ai, que j'avais plus ou moins vu. Ouais, c'est le même. Attendez, je vais récupérer une pièce au bateau et je reviens. Je vais vous montrer un petit easter egg assez sympa. Bref, non, toi tu le connais, donc dis rien. De quoi le secret? Attends, quel secret déjà que tu avais dit? Tu sais, t'as un secret secondaire, tu sais, qui rend hommage à Romero. Ah oui! J'ai vu sur YouTube. Dis rien, dis rien. Ouais, mais j'ai pas vu les étapes, donc je t'avoue. Bah moi je sais, donc si c'est bien ça, je vais. J'ai un rampant et j'ai déjà fait la première, le premier fusible. Mais j'ai donc, là, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est récupérer, je crois, une bouteille. On a fait tous les trucs. Je sais pas. On a fait tout le générateur ou pas? Ah non, ouais, tous les générateurs, attends. Oui. Ouais, il manque celui du bas du phare là. Bah, j'y vais. Enfin, je suis derrière le phare. Je vais y aller. Il manque celui aussi de double coup. Attends. Merde. Est-ce que je peux l'avoir d'ici? J'y vais pour celui de. Bon. Derrière phare, attends, je me fais juste une box. Ouais. Celui du bateau est fait. Tiens, vas-y, je te laisse la boîte, mec. J'ai pas de pain alors. Hein. Je viens de faire celui du bateau. Je vais aller. Attends, double coup, merde. Ah oui, bah attends, qui est au bateau? J'y suis, mais du mauvais côté. Ok, celui de Samina Mina est fait. Et d'accord. Attends, laisse-moi, je vais aller le faire. Celui qui est à l'extrémité quand on part du spawn. Est-ce que vous avez vu l'icône sur l'écran? L'icône sur l'écran? Ouais. Non, j'ai pas fait gaffe. Venez, il y a un petit truc que je peux vous montrer, c'est assez sympa. T'es où? Je suis au spawn. Là, j'arrive, je suis derrière toi. Ok. C'est bon! Celui là où je suis là, au niveau de la MPL, c'est fait. Ok, d'accord. Venez à la. Au tremplin. Ah, je sais, on voit. Allez de l'autre côté. Ouais. Ne passez pas. Vas-y, what the fuck. Vas-y. Ah merde. Ah merde. C'était qui était joué en moi? C'était Resda ou Phil? Y'en a un mec qui m'a bloqué. Ah, c'est pas moi, hein. Bah alors ça doit être Phil. J'étais assez loin. Bon bah attends, je fais le tour et je reviens, hein. Par contre, c'est moi ou le... ou la vitesse de sniper est vachement rapide. Y'a un Georges énervé. Non. Tu crois? Tirez. Qui est-ce qui est au snipe? Phil. Oui. Est-ce que t'as envie de branler? J'ai même pas tiré sur Georgie, frère. Non, mais je suis passé à côté, et t'es dans les escaliers en fait. Ah d'accord, c'est parce que quand t'as dit la visée au snipe est ultra rapide. J'y vais. Ah mais tu... Ok. Ah, il a pas fait ça. Oh. D'accord, pourquoi je suis atterri? Où est-ce que j'ai atterri là? Oh non, plus... non, dis rien, Phil. Merde, non, putain, j'ai... Vas-y, on dis rien. Tu peux plus sauter, ok. Oh non, on peut même plus y aller. Non, attends, t'inquiète, je pense qu'il faut remettre la truc, mais là il faut sauver what the fuck. Ouais, parce qu'en fait j'ai pris le truc pour aller sauver what the fuck moi en fait. Ouvre la porte! Mais j'ai pas de poing! Mais ah! Oh faites le tour! Hé! Hey. Il est dans le rouge là, vite! Et qu'est-ce que je suis à ton avis? Oh là là. Oh non, putain, mais t'es. Non! Pose le truc à cet endroit là pour qu'on puisse rejoindre Phil. Ouais, attends, mais faut aller au bateau. Bah attends. Attends. Ah putain, mais c'est pas vrai. Ah là, non mais la proie c'est en train de s'installer là, c'est pas possible. Pourquoi à chaque fois qu'on meurt, c'est parce que les œufs font troll? Alors là on a pas trollé. Bah si, il y en a un qui s'est mis devant, ça m'a bloqué, ça m'a éjecté, je suis atterri sur Romero, du coup il était excité à mort. Alors, est-ce que là faut aller à la pièce, faut que je récupère la pièce. Phil, est-ce que la pièce est déjà posée? Est-ce que tu vois une pièce à côté du tremplin qui est déjà posée? Ouais. Pas rien.
Oh non, merde, putain, il faut re... Oh, t'es pas sérieux. Passer la manche. Je sais pas, mais en gros, t'as une pièce. Comme sur Tag, en fait, t'as une espèce de levier ou un truc du genre. Et ça te permet... Viens, je vais t'escorter pour le faire. Bah, attends, Non, je prends les MP40. Putain, je suis dead. Oh là là, non. Oh, j'ai une merde. C'est sympa, t'as Georges. Bah oui. Par contre, il est stylé. Il a fait le tour du phare. Ah non, ah non. Mais il y a des zombies, je suis au M1911. Donc, T'entends, t'es où? C'est un peu chiant. Ah oui, putain, t'es là. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est bon, je prends MP40. Comme ça, je vais pouvoir mourir avec la MP40. Ouais, c'est normal que je suis indétectable aux yeux des zombies? Mec, j'ai vu des zombies passer. Ah oui, moi aussi tout à l'heure ça m'a fait ça, ouais. Je sais pas pourquoi. J'arrive, celui qui est tout droit. Non, putain, vas-y, je suis passé à côté. T'as un zombie qui arrive sur toi, mec. Je suis bloqué, moi. Merci. Ouais, non, un conseil, saute pas, gros, parce que t'as un glitch ici. Et putain, il est là, bah je suis mort. Il m'a poussé. Je viens de voir. Oh putain. Ouais, bah I'm dead. Thanks, celui qui a tiré sur cet abruti là. Non, je suis passé à côté. J'ai voulu essayer de glisser pour passer à côté sans l'énerver, bah ça a pas marché. Y'a Georgie qui arrive. Hein. Ouais, t'inquiète. J'ai pas ma sauce. Vas-y, je vais chercher Ratnap. Ok, y'a Georgie avec moi. Mais putain, il me suit pas, mais il est sérieux. Attends, Rasna, je vais essayer de venir te sauver. C'est bon, va. Vas-y. Ouais, mais il va me suivre, je suis le shot de la partie. Voilà. J'arrive, Rasna. Non, il me suit. Eh bien, c'est la mort du genre français. T'es tout en haut? Ah bah, quasiment. Oh putain, mec, j'étais là. J'étais là, quoi, j'étais là. Je te jure, frérot, j'étais là. Non, je sais, j'ai vu. Non. Enfin, je voyais ton ombre. Je voyais ton. Ta silhouette verte à travers le sol et tout, je sais. Ouais. Du coup, là, qu'est-ce qu'il faut faire là, c'est. Les radios, c'est ça Pourquoi j'ai. Ok. Ouais. J'ai perdu des ponts, je peux rentrer. Alors, vous avez fait le. Radio au niveau du bateau. De quoi? Radio ou la bouteille de vodka au niveau du bateau. Ah non, la bouteille on l'a pas fait. Mais le voyant rouge au niveau du bateau, vous l'avez fait ou pas à l'intérieur du bateau? Ouais, non, j'ai rien fait. J'ai fait. Parce que moi j'ai fait celui qui était à l'extrémité, là où il y avait la MPL. Parce que moi celui du comment ça s'appelle? Celui du de Stamina, ouais. Moi je l'ai fait. Ouais, ça c'est sûr, je t'ai suivi. Toi RS9, t'as fait celui de double coup. Ouais, bah là où il y a la NPL au mur. Mais alors c'est bon. What the fuck, t'as fait attends. Je suppose, non. T'as fait celui du phare, à côté de la pompe blindée. Non. Celui de porte blindée, il est fait. J'avais fait le rampant, il est... Il y en a un qui est caché... Ouais, c'est ça, il est fait, Phil. Les 4 sont tous faits. Ouais. Bah alors il faut pour retourner à la porte. Je sais que t'as récupéré le truc, attends que je sois là et que j'ai une arme, voilà, pour qu'on puisse y aller, tu vois. Pour retourner que t'es la porte, quoi. Ouais. Her party is special, nothing to say so. Eh hey Phil, je comprends pas pourquoi on peut pas aller à l'étage en dessous du phare. Ah ça, je sais pas, ouais. Et Et Mike, tu vois le truc qu'on a fait hier que tu m'avais envoyé ton rush? Ouais. J'attendrai, tu vois, que j'ai ma chambre finie et tout, tu vois, que j'ai ma petite box avec des avec des mousses acoustiques, tu vois, pour que je puisse tout bien faire, tu vois. Ouais, alors si tu veux des mousses acoustiques, je te montrerai peut-être lesquelles. Il manque la bouteille, là, les gars, du coup. Ouais, t'as la bouteille de vodka, elle est sur
Elle est sur une rambarde, justement, et faut que quelqu'un la cut et que l'autre la récupère. Ouais, comme à la buvant, quoi, mais le problème, c'est que je sais pas où est-ce qu'elle est, la bouteille. Alors... Bah, on regarde, elle peut être soit sur le bateau, ou sur le phare. Bateau ou phare. En fait, elle est sur une rambarde... Je la vois jaune. Nulle part. Hein. Sur le bateau là, en général, là où elle était ici sur Call of the Dead, elle y est pas. Elle est pas au bateau. Ok. Elle est pas au bateau. Elle peut être aussi là, je crois. Elle peut être à cet endroit là aussi. Elle peut être juste là. Ouais, je la vois. C'est bon. Okay. Tu es là ? Bah, il va falloir qu'il y ait quelqu'un avec moi, oui, mais. J'arrive, je suis là. Juste derrière. Et attends. Je l'ai mis en dessous. Que... Avec Hamster, on le faisait. Ah oui, Mike, va tout en haut. Tu vas tout en haut. Oh putain. Ouais, tu vas tout en haut. Tu tires. Et après, il récupère, tu vois. Ouais, heureusement. Ouais, non, passe pas par là. Putain, il manque 30 points pour rester. Non, il faut coup de cut, il faut coup de cut. Ça marche tout seul, bah, c'est bon. Ah d'accord, bon bah, let's go. Par contre, je la dépose, elle a pris. Voilà. Ensuite, maintenant, faut faire le code, yes. Code pour le phare. Je m'en occupe. Ah merde, je voulais prendre la tyrolienne comme sortail. Ouais, mais attendez au moins que je sois là quoi pour aller voir le truc de Romero quand même. Ouais, non, mais t'inquiète. Ouais, mais fille, elle a déjà vu. Moi je l'ai vu, mais je dis rien. Moi je l'ai pas vu moi. Ouais, bah je dis rien. Moi, j'ai déjà vu sur YouTube, mais je préfère voir en vrai, tu vois. C'est stylé, ouais, voilà. Mais voilà. C'est juste. Ouais, et encore t'as pas vu toute la salle, si. C'est qui a montré la quasi sur une vidéo, ouais, il montre la quasi totalité. Mais toi, Phil. Je crois que j'ai vu. Pardon. C'est moi où j'ai volé l'espace de 2 secondes. Putain, je crois que ça s'active qu'une fois le bordel en fait. Merde. Oh, fais chier quoi, putain. Vas-y. Au pire, quand on aura fini le secret, on essayera des trucs, hein. On fera restart hein, pour avec le Director's Cut hein, pour contre Easter Egg. Le Director's Cut mode, il marche. Hein. Je vais tester. Ouais, je sais, tu me l'as dit. Il faudrait que tu m'envoies tiens ce mode justement. Ouais, je t'enverrai Revenant. Il est pas très lourd, hein, ça qui est bien. Donc là, on a fait l'étape du phare, en gros, avec le... Enfin, pas l'étape du phare, mais l'étape du bateau, là, tu sais, où il faut... Vous savez, où il faut tourner le... Il faut tourner le gouvernail, et maintenant, il faut faire les radios. Quelqu'un se souvient de l'ordre des radios? Ouais, j'ai vu sur la vidéo Kunjura. Ah bah, ouais, moi aussi, j'ai regardé. Alors, l'ordre, c'est là où je suis, la radio où je suis. La deuxième, c'est celle de Stamina. Ok, j'y vais. Donc, la troisième, c'est celle du bateau où est What the fuck, mais au-dessus. Cantine. Et la quatrième, c'est celle du phare, juste à côté de la porte blindée, sur une armoire. Peut-être. Il faut juste que je trouve la radio, je sais pas où est-ce qu'elle était. Elle est là, ok, c'est bon. Ok. Alors. Vous me dites quand c'est bon, quand vous êtes prêt. Moi je suis à mon poste. Reznov qui est. Reznov il est pas là. Je suis mort. Ah merde, c'est vrai, putain. Bah il va falloir quelqu'un qui. Porte blindée, je suis à côté donc. Ok, bon bah tu vas. Ouais, c'est un bon merde quoi. Bah dès que t'as fait la tienne, tu me dis go et je fais. Ouais, c'est sacrément pour l'instant. Alors, j'active. Fait. Ok, la mienne est faite. Celle de What the fuck. Shit, I ain't used to this cold.
Et je vais à la porte blindée. What? T'as maintenu? Ça a rien fait. Attends, j'avoue que la mienne ça a rien fait. Mais normal, what, tu l'as pas encore fait. Un jeu. Bah, vas-y, what the fuck, essaye là. Attends. Attends, parce qu'il galère avec un rampant. C'est la meilleure. Putain, pourquoi la poisse acharne sur nous là? C'est bon, on stop. Merde. A réussi à maintenir Watt ou quoi? Oui, ça a grésillé. Donc. Ok, celle-ci est faite. Ouais. Bon, si vous pouvez peut-être le tuer, qu'on puisse peut-être passer une manche, que moi je puisse respawn. Voilà quoi. Bah, normalement là c'est fait, et là va falloir, tu sais, faire l'étape des gongs. Enfin, pas les gongs, mais. Les cornes de brume. Ouais, oui, il voilà. Y en a un au niveau quand on descend, quand on passe par le sort de toboggan, je sais qu'il y en ouais, a un par là. Aïe, au secours. Viens là, Georgie. Je m'occuperai de celui qui est derrière le toboggan. Moi, je ferai celui qui a justement le fil. Je ferai celui-là. Je vais mettre à la corne de brune. Moi, je vais mettre à la corne de brune, à la mienne déjà. Oh, il y a Windows Wine. What? Il est sous la map, non. Mais il y a Windows Wine. Il est congelé. Ah, il y a un troll. Il a troll. Ouais, putain. C'est un génie. Lui, il mérite le respect, tu vois. Lui, il mérite le respect. Ouais. Windows Wine, je comprends. PhD, hein, sur une certaine map Nuketown. Non, y a, c'est pas la seule. Hein. Même sur Darryz, elle est comment dire. C'est aussi du troll, hein. Mm. Que quand tu prends l'ascenseur quand t'es au spawn, et ben tu vois en fait là tout PhD. En fait, alors c'est pas des Rises, c'est des Rise. Ouais, des Rise. Bah, en tout cas, vous pouvez tuer le rampant, les gars. Ouais, comme ça, moi je vais faire une boîte et voilà. Georgie sur moi, vous inquiétez pas. Ouais. Qui c'est là? Ah, bah ok, j'ai spawn sur toi carrément. Ah, bah bonjour. Alors je sais pas ce qu'il faut faire avec cette étape là, enfin je sais ce qu'il faut faire mais je connais pas l'emplacement. HK21, c'est bon les gars, je suis bien. L'enculé, vas-y. Moi j'ai la RPK mais. Tranquille. J'ai le 96A1 et RPK. Oui, pour l'étape des gongs, je fais celui qui a le. Là où il y a le lac, hein. Là où il y a le lac là près de là de celui-ci là. Là où je suis, pas loin de fil justement. Sauf. Ça n'était pas ça. Hein. C'est le seul de la dualité. Ah, le mec, la reste. Attendez, les gars, je me mute 2 secondes, il faut que je réponde. Ok. Oh. Bon, alors là, les gars. Hein. Vous emmerde, allez. Désolé. À moins de tenter une boîte à 10 pour avoir peut-être une bonne arme, je te dis gros, moi je refuse jamais. Jamais non plus. Ah. Roquette. Matrioshka Dolls. Et faudrait Réa ou what the fuck. Ouais bah j'étais juste derrière. Juste derrière toi, Reza. Ouais, je vous en prie. Vous savez que depuis tout à l'heure, je suis au M1111. Hein. Et le pire, c'est que moi, j'ai pas d'atout. Hein. Attends, c'est peut-être le dernier. Ah, parce qu'il y a des atouts dans le jeu. Mais non, jure. Moi, depuis tout à l'heure, je suis au M1911 sans rien. Bon, je vais aller chercher le masto. Ouais. Non putain, je veux pas tirer. En vrai, je pense que c'est map. Putain de curseur de merde. Hein. Elle va partir en désinstall direct après, hein, je pense. Ouais.
Je pense que je vais faire le secret, puis après je vais désinstaller. Oh, bon, pour faire de la place? Oh oui, largement. Bah, moi je vais la garder pour voir si la strat de Tag elle marche. Parce qu'en fait c'est tu vas avoir Romero aussi si tu prends la strat de Tag. C'est quoi. C'est bon. Quitte à aller sur Call of the Dead, moi je préfère aller sur BO1. Hein. Bah, le charognard il a infinite damage, hein. Sur BO1 il met one shot que manche 34, hein, donc c'est débile. C'est mieux. Bah, si. Charognard est censé être mieux. Il est censé être mieux. Non, pourquoi? Bah, c'est une arme spéciale. Ah, oui, ben. Censé one shot, mid tout le temps. Bah après, si t'as la mentalité Cold War aussi. Eh gros, au moins mange 50 minimum, tu vois. Enfin, maximum, tu vois. Au moins ça. Pas mange 34. Attends, tu crois que les mecs qui font des records plus de 250, tu crois que ils ont quelque chose à foutre? Ça, ils empêchent pas de faire des plus de 250, hein. Bon, dès que notre ami Phil il se back, on garde un dernier zombard. Je suis là, les gars. Ah, ok. On garde un zombard? Bah, ouais. Là, enfin, je vois pas pourquoi vous avez tué le zombie, mais. Je sais pas. Je sais pas, moi, pour me faire peut-être un petit peu des points pour remplacer ma G11. Améliorer la G11, c'est pas mal, hein. T'as double coup 2.0 aussi, donc. Non! C'est my bad. Ah ouais, my bad, really my bad. Ah ouais, vas-y, continue de me taser. Comment j'ai pas zombie là? Aïe. Aïe. Je viens vraiment prendre des dégâts alors que j'étais en train de courir. C'est quoi cette merde? Non, je sais pas. Je suis pas. Ah les gars, j'ai compris la musique chat parce que on va faire l'étape des cornemuses et il faut que des cordes de brume là, faut que j'entende. Cornemuses, il a dit. Ouais, des cornemuses, ouais. Ah. T'as vu what? Bah manche 11 au M1911 sans masseux, ça commence à être dur. Cache pas. Cache pas, c'est un peu compliqué. Y'a quelqu'un qui peut aller réa ou pas? Parce que là j'ai l'argile sur moi en fait. Vas-y, je cavale. Bon, attends. Hop, on passe à la batteuse. C'est bon, j'ai les zombies sur moi. J'en ai tué un. Hein. Il a la... T'as la HK. Ok. T'as cru quoi? On était débutants, nous. Ah oui. Ok, le mec. Du coup, il y a un zombie. On a fait un rampant. On fait nos cornes de. Nos machins là. Et puis. Nos cornes muses. Ouais. Attendez, les gars. Je vais couper ma musique aussi. Attendez. Vas-y, on va quand même prendre Masto. Hein, parce que voilà. Je connais pas les emplacements, moi, des cornes de brume. Ma faute, my bad. Bah, t'en as un là, t'en as un ici, t'en as un sur moi, et le zombie vient de mourir. T'en as. Oh, bah ouais, je sais pas comment ça se fait, mais bon. Bref. C'est Georgie qui l'a tué. Georgie peut tuer les zombies, les gars. Voilà, j'annonce, Georgie peut tuer les zombies. Ouais, quand il est énervé et qu'il donne ses grands coups de. Normalement, ça les électrise un petit peu, tu vois, mais bon. Bah. Ça les tue pas. Bah en vrai ça dépend s'il lui reste la vie ou pas en fait. Peut-être que c'est un zombie à un HP et puis... Ouais, moi il va falloir aussi que je réaugmente le son. Il faudra aussi la VR11 les gars aussi j'y pense. Ouais. Par contre j'ai oublié que les esquives sur BE3 c'est éclaté mais... Ouais ça en fait... Bah attends, je vais tenter vite fait une boîte pour la voir. Oh c'était de justesse. Ouais moi aussi parce que là j'ai plus de balles dans... Certaines armes. Le premier qui a la VR11 il fera le truc.
Oh non, il passe ses sous devant mes yeux. Galil. Oh Galil. Bon vas-y, je te laisse la VR11 hein. Ouais. Il y a la voix de sa carte. Bon, allons sauver notre camarade qui meurt comme d'hab. Mais bon, on aime. On aime, il nous offre des points gratuits. Non. Je peux y mourir. Oh putain, fait crever. Et merci à Bibi hein. Ouais, merci là, j'avoue. Putain, je peux... Ah, oh, c'est short hein. Ah, c'était chaud, ouais. J'ai vu ça. Putain, mais j'ai Matryoshka, j'arrive pas à la voir. Oh merde. Non, non, je pensais, mais vas-y, mais non. Il est trop mort, hein. Ouais. Mais oui, mais putain, poisse de merde, là. Sérieux. Moi, j'ai glissé. Et... Toi, il y a toujours derrière. Bah gros, il y a Roméo, attends, tu crois que je vais faire quoi, tu... Et la manche a passé, les gars. Non, la manche n'avait pas passé. Bah mec, il y a des zombies qui respawn. Ouais, la manche n'est pas passée. Vas-y. Attends, mais attends, on l'a pas réanimé. Vas-y, Rez. Putain, j'étais... Ah oh, putain, non. J'étais en train de le réa. Mais sérieux. J'étais en train de le réa. J'étais en train de le réa. Mais il oui, est mais... Alors là, mec, j'apprécie pas du tout ce coup-là. Hein. Franchement, je le dis tout de suite. La boîte, elle est bateau, je vous le dis, les gars. Ouais, ouais, les bateaux. Bateau fond ou bateau-bateau? Bateau-bateau. Là où il y a le coup. Le jeu, il a fait. Vas-y, crève. Y'a Roméo, les gars, passez pas par la soute. Moi je suis passé par le spawn. Putain, vas-y quoi. En plus, Galil. En plus, j'ai commencé à tria quoi, enfin. Mais oui, mais. Non, mais il y aura la preuve en vidéo, hein, ça c'est clair. Ah oui, c'est vrai, il faut que toi aussi je t'envoie le petit truc quand. Quand Phil il était mort hier sur Alcatraz. Oui, sur Alcatraz, ouais. Je donne comme une grosse salope. Il faudra que tu me dises comment je te l'envoie, Mike, parce que je t'avoue. Par Dropbox. Ok, ok. Faudra que je me crée un compte, je suppose. Si t'as déjà un. Bah, si tu peux utiliser avec ton adresse mail, etc. Donc. Quelqu'un est vers What the Fuck ou pas, ou j'y vais? Là, je suis trop loin, je suis dans le spawn. Ok, j'arrive What the Fuck. J'allais dire, venez, on fait avec le Director's Cut, on claque le secret comme ça, on passe à une autre map. Ouais, en vrai, ouais. Déjà, de base, elle me casse les couilles, donc... Et en plus, là, il y a des clips pour... C'est sur BO3 en plus. Attends, il est où que ça se passe déjà? Ah oui, non, c'est vrai. Il est dans le petit... à côté de la faucille. Ah, ouais. toboggan. Bah, pour moi, je dis toboggan parce que pour moi, c'est la même chose. Ouais. Oui, mais toboggan. Ouais. Ah, ouais, là, il nous manque quoi à faire vraiment? Il nous manque la musique et les cadrans et c'est fini. Et... Ouais, voilà, il y a. Voilà. Et non, les codes? Ouais. Quel code? Bah, les codes. T'as des sortes de trucs à tourner là. Ah, cadran, oui, bah, c'est ça. Ah, ok. Faut garder un zombie, puis on fait ça vite fait, et puis voilà. Hein. Voilà. Vous voulez qu'on fasse quelle map après? Bah après, moi, peut-être que. Je sais pas, peut-être que j'arrêterai le stream là, mais. Ça dépendra de combien. Bah, si tu veux, on peut faire. On peut peut-être tenter le final de Citer, on en finit une bonne fois pour toutes avec cette map. Ouais, je sais pas. Hein. Moi perso, Citer m'a saoulé. Ouais, franchement, regarde, hier, ça a été comme dans une lettre à la poste. Ouais, lol. Ça dépend pour qui. Ah, franchement, attends, les gars, il est où, Pack a Punch? Je sais pas. J'ai la VR11, les gars. Il a pas encore spawn, le pack. J'ai la VR11. J'ai la lumière du soir. Ok. Comme ça, au moins, c'est fait. Oh, lol. Mais y'a rien qui passe. Maintenant je comprends pourquoi j'ai arrêté au BO3.
Mais non, il avait spawn et ça a bougé. Allez, gardez un zombie, les gars. Bateau, fond bateau. Ouais, bah salut Roméo, mais moi j'ai pas le temps. Et là, en vrai, on peut claquer le secret en 2 secondes, quoi. Enfin, avec les armes qu'on a, même non améliorées, on le claque. Moi, ah ouais, il faut que j'améliore la VR11 aussi, je crois. Oh putain. Pas obligé. Pas obligé non. Ok, bon, alors c'est... Oh, le ca... c'est moi où il a mis le camo dégueulasse de BO2. Non, en fait, je crois que c'est celui de Zombie Chronicles qui... Non, c'est celui de Léon. Non, c'est celui de Zombie Chronicles. Ah bah putain, gros, il est dégueulasse. Bah ça. Oh. Ils auraient fait comme le camo de Rainy Death, hein, qui était celui de BO1, mais on voit les circuits imprimés beaucoup plus gros. Why not? Ah, mais... on dirait de la merde, vraiment. Sur Charognard, ça rend plutôt bien, mais sinon sur les autres armes. Bon, je peux te le dire, je l'ai même testé avec des comme le M1911. Je peux te le dire, non, c'est de la merde en boîte là, c'est catastrophe. Hein. Non putain, y'a un zombie qui m'empêche de sauter, mais vas-y là. Putain. Bon les gars, vous voulez bien me cover? Putain, mais vas-y, t'as un zombie qui m'empêche de sauter là, c'est sérieux. What the fuck a raison, rien ne passe. Oui non mais il a raison. Ah ouais. Non. Ah mais là. BO3 c'est. Ouais. BO3. Rien qui passe en fait. C'est BO3 quoi. Encore t'as des maps où c'est bien adapté BO3 mais. Ah sur Mike, il y en a deux qui arrivent. Attends, je l'ai énervé ou pas? Non, tu vas pas énervé. Je vais essayer de faire un rampant, attention Razav. Ah y'a un rampant déjà. Ok nice. Tu fais pas le rampant. Ouais, je fais gaffe où je tire surtout. Ah ouais, bah j'ai rien vu. Même ça c'est. Non C'est vrai qu'il va falloir revoir les esquives mais... sur cette map. Hein. Ouais, non, mais. Non, mais les gars, on prend le Director's Cut mode et on claque. Hein, c'est... On peut même plus taper de. Oh. Et c'est le drame pour les joueurs français, évidemment. Les gars, on prend le Director's Cut mode, on claque le secret. Ah, ouais, mais vas-y. Tout le monde l'a pas, quoi, le Director's Cut. Qui nous l'envoie. Eh, ça se download comme des petits pains sur je sais pas. Vous l'envoie, c'est très simple à télécharger. C'est... Moi je crois que je l'ai, mais pas sûr. Eh mais Mike, au pire tu mets le mode, nous on te rejoint. Ah oui, bah oui. Ça va nous le télécharger. Bah oui. Au lieu de l'envoyer, on va pas faire plus galère que ça. Et au pire, si vous voulez vraiment faire Call of the Dead, vous voulez pas aller sur la vraie map, celle où ça passe. Ouais, mais c'est que c'était custom quoi en fait. Oui. Aujourd'hui. Oui. Ouais, mais. Mais là, c'est marqué custom, mais c'est la map de base en fait. Juste en, c'est juste en plus belle, c'est tout. En HD. C'est la map de base en HD. Tu me dis si quand je peux te join, tu m'invites, tu fais ce que tu veux. Bah attends, je vais te rejoindre vu que hop. Rejoindre la partie, tac. Ah, bah non, no join. The group is full. Director's Cut. Ok, c'est bon, je l'ai. Okay. Moi, dès que j'aurai rejoint Mike. Tu m'as pas dans les joueurs récents comme ça? Attends, je vais regarder. Joueurs récents. Ouais, mais je pourrais pas t'ajouter parce que j'ai pas payé 5€ là sur Steam. Yes. Ok, re. Alors, je vous invite. Ah, si, il y a une technique pour s'ajouter. Il faut juste faire suivre la personne. Attendez, charge le mode. Leave lobby. Parce que c'est ce que j'avais fait avec Mike et ça avait marché. Ouais, c'est vrai. Hop, tac, on voit. Ah, je peux pas rejoindre Mike. I don't know why. Attends, c'est parce que là je télécharge le mode. Je charge le mode. Ah, vite fait, moi je vais faire un truc vite fait sur mon compte protégé évidemment, car on a toujours prévu de faire le niveau 1000 sur ce petit BO3 évidemment. Plus ma server aussi, elle était pas mal, mais enfin, je l'enlève.
Laquelle? Queen's Masterwork. Ouais, mais bon. Elle est pas mal, mais il faut que je l'enlève. Un peu chiante. Il y a aussi la map Metro Madness qui est pas mal, mais assez dur au début. Le et start, voilà, on est niveau 1, évidemment. Niveau 1 sur ce joli compte. Autrement, en custom, il y a toujours le custom BO. Aussi, oui. Bah, faudrait qu'on teste sur Istanbul. J'ai encore rien de... Enfin, redownload pour BO1 et même BO2. J'ai pas repris les CP. Faudrait que je leur fasse tout ça. Bah moi, BO1, il faut que je télécharge, comme ça va sur mon compte protégé aussi. Merde, je peux pas inviter. Ouais, je peux pas vous inviter. Great in power attack. Non, rejoignez-moi et puis voilà. Ouais, attends une seconde, je rajoute mes liquides divinium. Non, mais ouais. Moi je les ai là, enfin j'ai le director's cut. Ouais, moi aussi. Le drop, et il m'en faut un dernier. Pour quand j'ai commencé à jouer en solo. Ouais, hop ça c'est bien, tac tac. De toute façon, oh, Mike, tu l'as dit, le business Johnny Ball, putain, mais arrête. De toute façon, en fait, je vois pas pourquoi on se fait chier avec un mod en fait. C'est pour claquer plus rapidement. Ah oui, mais. Il y a le trainer pour ça. C'était ouais, le fil. C'est un mode sans trainer en gros. C'était Phil l'autre, il met le trainer via. Ah, mais ça m'a mis ton mode. J'attends 50 que... millions de thunes et puis voilà. Donc claque. Ouais, mais là, on a les armes améliorées dans la boîte, on a les 25 000 points tous, et on a tous les atouts. Et c'est un mode en direct. Bah c'est bon, normalement mon director's cut il a été téléchargé, ouais. Et je reste pas à rejoindre Phil. Du coup, alors attends, social... Non, le not joinable, putain mais BO3, ouais. Sérieux. Moi aussi, lobby... Comment ça, le B not joinable? Non, moi quand j'avais essayé de rejoindre Phil... Ça m'a dit... Ah ouais, non, lobby ouais. Is not joinable. Ouais, moi je peux pas rejoindre Phil non plus. Ah, moi c'est bon, j'ai pu essayer avec Steam. Essayer avec Steam. Quoi, avec Siri? Non, je te vois pas, mec, dans le truc. Hein. Il est avec moi. Oh putain, je suis. Ah, je suis avec Mike. Bon, alors. What the fuck secondaire? Ah ouais, je peux pas trop rejoindre. Il faut que vous m'invitiez, les gars. Attendez, mon jeu il m'a fait un écran noir, je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est bon, je suis bien avec Mike. Juste besoin que vous m'invitiez. Ah oui, je sais pourquoi, je sais pourquoi ça marche pas. Attendez, je sais pourquoi. Ah, t'avais mis en deux joueurs max. Sorry. Ouais, mais je crois que... Ouais, vas-y, c'est bon, il m'a invité. Mikey, j'ai une partie. C'est bon. Ok, c'est bon. Oh, nice! J'ai rejoint Mike. Oh, mais putain, il faut le mode. Ah, mais j'en ai marre. Vas-y. C'est bon, on l'a tous là. Oui, ah, mais c'est pas ça, mais ça l'a déchargé en fait. Oui, bah t'as juste à le recharger et puis ça va nous le faire charger. Ah, non, c'est bon, c'est en train. Alors, est-ce que. Attends. Alors. Je sais pas si je l'avais. Pourquoi? Ah. Team. Ouais. On va vite le savoir, parce que là, vu qu'il est rentré dans le menu du zombie. Oh la poisse de merde. Je crois qu'il est en train de le DL, what the fuck. Je sais pas. Parce que là, je vois pas tes bonbons, donc. Ouais. Si, il les a chargés. Bon. En fait, c'est juste ton mode qui chargeait, qui prenait de tension comme d'habitude. Non, c'est what the fuck. Non, moi je l'avais. Bah, let's go alors. Apparemment, je l'ai. Apparemment. Ouais, allez, on claque ce secret. Oh, de toute façon, on s'en fout des liquides divinium. De toute façon, des. Ah non, peut-être pas. Moi, je...
On montre le mythe. On fera juste que je retélécharge. L'hommage à Romero. Mais ouais. Voilà. Faudra juste que je retélécharge mon mode menu BO3, que je puisse remettre, que je puisse ouvrir mes liquides divinium rapidement comme ça. Comme ça, au plus j'ai un max de liquide divinium, au mieux ça sera pour mes runs pour le prestige 1000. Je pense qu'on va faire la manche, la strat de. Merde. La strat de révélation. Avec la Marastago améliorée. Le pistolet éclair amélioré. Et une arme. Une batteuse surtout améliorée, la Jingo améliorée. Comme ça, on sera très bien. Et quand je serai à mon niveau 1000, je débloquerai tous les équipements de tous les autres armes, car j'en ai rien à foutre de monter les autres armes. Oui. Moi perso, si j'ai pris Call of the Dead Remaster, c'est pour voir la strat, hein. C'est pour faire des hautes manches dessus. Hein. Après, t'as pas besoin de te justifier, hein. Good luck, my friends. T'as pas besoin de te justifier de pourquoi t'as pris la map, hein. Bah ouais. Les gars, il faudra que dès que Mike il aura Infinite Warfare, il faudra que. Ah non, il faudrait que je l'installe, faudrait que je le réinstalle. Et oui. Elle est dessus ou pas dessus? S'il est les atouts. En fait, je les ai pas pris, mais j'ai le Season Pass. Ok. Moi j'ai. Bah, de toute façon, moi la version avec Modern Warfare 2019. Non, avec celle de mon code 4 remaster. Ouais. Par contre. Ok, let's go. On claque ce secret, on est mort comme des merdes. Donc, les gars, c'est pour ça qu'on a le Director's Cut. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Bonne chance. Donc là, le Director's Cut, c'est le truc anti-poissard, on va dire. Un peu comme sur IW, mais en gros, on va être plus tranquille, quoi. On pourra. Ouais, mais gros, moi je prends les M1911 améliorés, hein. Oh, vas-y, Phil. Il est sérieux. Ouais. Il est bien. Améliorer plus ses guns améliorés, mais il est tranquille. Et lol. Ok, on laisse les zombies. Le zombie de la marche 1. Ouais, on laisse. Oula, oula, putain, c'est lui. Harry's gonna be in my room. Et aussi sur BO1, quand tu prends la tyrolienne avec une arme, ça te baisse pas le FOV. On va pas ouvrir cette partie, vous avez dit, ouais, on va pas ouvrir cette partie. Non, faut pas ouvrir. Sinon, y en a, ils vont ils vont péter un sgeg là. Bah écoute, hein, c'est la strat de base. Voilà, je récupère le fusil qui n'est pas ici. Qui est où d'ailleurs? Bah, je sais pas, il a pas encore pop. Attends, ouais, qu'il termine la discussion aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, en plus vendredi, live. Ah ouais, putain, faudrait que je. Ouais, ouais, vendredi, ouais, c'est rave. À ce moment-là, je pense que ça. Ah oui, à ce moment-là, quand t'entends les personnages parler au début. T'entends en fait Richtofen qui touche les parties intimes de DMC. Et je sais pas, il y a eu des. Putain, les gars, mais arrêtez de mettre ce viseur de merde sur la commando. Laissez la mire hein, de base, merde. Ok, le fusible est fait. On chier là, sérieux à faire ça. Donc là, ça va être les bidules là. Écarte le zombie, s'il te plaît, Razneuf. Qu'est-ce que je vais le buter? Il y en a deux. Ah bah là, je pouvais pas. Ah t'inquiète. Par contre du coup vendredi on va être 4 du coup. Pour Rave in the Redwood. Ah oui, je vais tout faire pour être là vendredi, ça c'est sûr et certain. Moi je suis là de base. Et si malheureusement. ça marche pas avec le lance-roquette. Ok. Non, c'est qu'avec les grenades, etc. Ouais, bah attends, je vais bateau extrémité comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire celui de Samina. Ouais. Je fais celui à intérieur. Ouais, fais celui-là. Moi, je vais faire celui qui a Mathieu Zalem là. Et il manquera que celui de la porte blindée, les gars. Bah, je vais le faire. Attends, j'y vais. J'ai plus qu'une grenade.
J'y vais. Bah moi aussi j'ai une grenade, mais t'inquiète, j'y vais. Laissez-moi le faire. Je vais faire ça en deux spi. Everything. Ah mais on a trois armes en plus. Bah attends. Ouais. Allez, passez tout gelé, frère. Voilà, merci. Par contre, j'ai pas la VR11. Ok, c'est bon. Mais j'essaie de l'avoir, la VR11, moi. Par contre, vous allez vous faire enculer pour Space Land, hein. Mais sinon, j'ai déjà fait le secret. Bah sinon tu pourras m'aider pour essayer de voir aussi si j'ai le director's cut, si vous savez. Moi j'ai pas fait les secrets, donc je peux te le dire, j'ai pas le director's cut alors. Ouais mais t'as fait le secret de Spatium plusieurs fois. Deux fois. Oh mais... merci putain, ils ont corrigé. Le space 12 amélioré, il est automatique, donc il a 24 balles, certes. J'ai mettre le jeu aussi. Ok, je l'avais à 11. Non, il est pas floto, putain, les gars, mes pentes d'abrutis. Quoi? Mais vous êtes sérieux? Le space gagné au moins amélioré, c'est floto. Les gars, moi il faut que je trouve le pack à punch. Mais les armes elles sont déjà améliorées, reste même. Ah ouais, bien vu. Bah non, sauf mon 1911. Oui. Du coup, c'est la vodka là, je crois. On a fait tous les bidules. Attends, merde, il faut que je refais une troisième boîte. Attends, j'ai fait une troisième boîte. Le vodka. Ok, j'arrive. Elle est au MPL. Ah, mais vas-y. Putain, il est automatique. Merde. Attends, mais ça veut dire que maintenant il va bouger le truc. Putain, merde. Je suis là. Ok, mets-toi bien dessous. Oups, anyone see another one? Chier. Tu l'as pas récup? Même les hitbox sont claqués. La boîte, elle est... Bah, je pense avoir... Attends, regarde, ne me dis pas que je suis pas en dessous. Bah, pour moi, si, t'étais en dessous, parce que je t'ai vu avec l'ombre verte. Ouais, non. Bah, les hitbox sont PC. Attends, place-toi en dessous. Non mais c'est mort, frère. C'est mort, la bouteille a pété, là. La hitbox, c'est de la merde. Ouais, faut passer la manche. Pas spécialement, peut-être. Non, elle a pas pété. C'est bon, je la récup. Non mais c'est qu'elle a respawn, mais c'est que de base, elle avait pété. J'étais avec What the Fuck, elle avait pété. Ah d'accord. Le pack à punch il est spawn, faut que j'y vais. Ok. Vodka fait. Désolé, my bad. Viens là toi. Ouais, je pense que ça ira. Mike, tu fais le bateau. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent, bien évidemment. Tu sais pour la manivelle. La manivelle. C'est ce qu'il y a là au courant. C'est la vodka est faite. Attends, là tu parles de l'étape des radios, c'est ça? Dans le secret de Call of the Dead, t'as des manivelles à tourner dans la cabine du capitaine. Ah oui, ça je fais, oui. Ça c'est le gouvernail. Je l'ai fait. Okay, donc normalement, celui de gauche, on le descend une fois, et celui de tout à droite, c'est trois fois jusqu'en bas, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est les radios. Moi, je sais pas où sont vos radios, les gars, alors... T'as une radio, justement, là où t'es, reste neuve, là, à la boîte. Ouais, j'y suis. Non, elle, c'est la première. Oui, mais active pas tout de suite. Moi, je vais me placer à Samina. Là, c'est où? Ok, bah moi, je me place au phare. Mais après cette game, il faudra que toi et que Phil et Watt, je vous ajoute sur ce compte là, parce que c'est chiant quoi. Il faut que à chaque fois je dois rejoindre Mike et compagnie, fort chiant. Ok.
Moi, je suis placé à ma radio. Voilà, mienne. Alors, elle est où? T'es placé, toi, what the fuck? Moi, ouais. Il était juste devant, aussi. Là. Ok. Donc, on attend. On attend que Mike nous dise qu'il est bien placé, puis ça sera bon. Moi, ouais, j'y suis. Ok, donc. Et puis, normalement, c'est à moi d'appuyer en premier. Oui. Tu me dis quand t'appuyer. C'est bon? La mienne est faite. What the fuck? Attends. Elle est faite. C'est bon. Voilà. Ouais, coup de cut maintenant. C'est bon. Il y a le. Ok. Il y a le sonar. Maintenant, il faut faire les cornes de brume pour le. Oh merde. Pour le sous-marin. Désolé, ouais. C'est my bad. Je vais me placer à celle que j'ai moi, enfin celle où je fais d'habitude. Ouais, j'ai juste à côté de la tienne, quand tu descends en fait, en gros t'en as un là au niveau d'un lac là. Oui. Bah, je vais aller à celle de passe-passe. Oui, bah tu l'as vu le... T'as vu le... Et t'en as un au niveau tout quoi. Pas loin de la porte du phare. Ouais, j'ai vu le truc là qui clignote en haut là. Ok. Ouais, parce que dans BO1 je n'arrivais pas à le voir ça. Ça dépend du temps, hein. Quand ouais. Il y a le brouillard, tu le vois pas en fait. Mais les gars, y en a un autre de bouton de corne numbreuse là où je suis, hein. Y en a deux, hein. Ouais, oui, y en a un. Mike, y en a deux où t'es, Reznov. C'est le mien, mais bon, c'est pas grave. Ah, d'accord, hein, bah. C'est celui que je retiens le plus, donc. Okay. Donc celui là-bas. Oui. Et là, il faut faire un pratique, quoi, je me sens bien. C'est qui en premier déjà? Premier c'est... Petit bassin. Donc c'est Razor. Moi, alors. Ok, bah alors je l'active. Après c'est moi. Mais par contre il y a un temps les mecs. Vas-y Mike. C'est bon. Et what, tu fais quoi? Bah je sais pas, il m'a rien dit moi. Bah j'ai activé. Je pensais que c'est bon. Il y en a 4, on est bien d'accord. Oui, il y en a 4. Ah oui. Ah ouais, bah alors pourquoi bon, y'a pas Watch et Yipper? What? Attends, Raznov, c'est toi le premier. Le deuxième, c'est qui? C'est... C'est What the fuck? Les... Ouais, normalement ça doit être What. Ok, donc... Raznov, va te remettre au tien, tu réappuies. Ok, what the fuck à toi. Bah attends, je suis pas. Oh, vous me dites rien, donc Moi, je croyais que vous gériez, hein. Je me dis quand il est, parce qu'à mon avis, on va devoir recommencer, donc... On attend juste qu'ils nous disent qu'il est placé, et puis c'est bon. Bah, je suis placé. Oui, mais... Ah ouais, mais on va... What? Ah, mais attends, je suis tombé. Il faut que je refasse le tour. Attends. Donc moi, que je vais côté fil, du coup. Ok, vous vous occupez des deux là. Ouais. Clarifie là. T'inquiète, vas-y. C'est bon? Attends, il est pas placé. Tu me diras quand c'est bon. C'est chiant. Allez, je descends. Allez! Ah non, c'était côté Mike, pardon. Ouais, c'est bon, j'y suis. Ok, Raznov. Je commence. C'est fait. What the fuck? C'est fait. À mon tour. C'est fait. Mike? C'est fait. Ok, c'est bon. Allez, bah, il y a toujours la lumière. C'est normal qu'il y ait toujours la lumière? Non, ouais. J'ai cuté pour voir s'il y a pas un truc.
Est-ce qu'il y a le sous-marin ou quoi? Je vois rien. Bah, tu me diras, là, il y a du brouillard, mais... Solo, j'ai vu le sous-marin, tu le vois assez bien. Ouais, mais là, le problème, c'est que je vois rien. Le problème, c'est que vraiment, je ne vois strictement pas s'il y a le sous-marin. Je sais plus où est-ce qu'il pop, le sous-marin. Bah si, elle a... Voilà. Si... Ah merde! Georgie, je voulais pas t'énerver! Je vois pas le sous-marin, moi, honnêtement. On a fail? Ouais. Ça casse les couilles, putain. Même ça, on n'arrive pas, gros. Ouais, le sous-marin, je le vois pas. Il y est pas? Non. Non, je là okay. Où il est, là où il est censé, je le vois. Parce que là, c'est petit bassin. Ensuite, c'est toi, what the fuck. Ensuite, c'est moi, c'est celui qui est le plus proche de la KU. Et ensuite, c'est Mike. Attends, je vais revoir l'ordre. Vous êtes sûr que c'est ça l'ordre? Bah, et moi, il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça. Bah, il me dit que normalement, oui, c'est ça. Parce que l'ordre, c'est le premier, c'est petit bassin devant le phare. Le deuxième, c'est celui à droite du toboggan. Donc bah, où je suis. Alors, le après, premier, c'est celui... devant le phare. Et pour terminer, c'est Hilo. Alors, le. Je sais pas si c'est le même ordre que tu as dit, what the fuck, mais le premier, d'après la vidéo qu'on voit, c'est celui qui est dans la zone de la KU. Donc à côté du petit bassin. Oui, c'est le petit bassin. Ouais. Après, c'est celui après Spicola. Oui, donc celui à la sortie du toboggan, quoi. Le troisième, c'est à côté de la KU, mais tu sais... Oui. Kill, regarde, je vais te faire voir. Le premier, c'est... Oui, il est là. C'est Reznov. Ok, bon bah voilà. Mais c'est Reznov. Oui. Le deuxième... Celui qui est là-bas. Moi, ici, à droite de... Ça se passe. Oui. Le troisième, c'est toi, c'est là où t'es. Et le quatrième, c'est Lilo, où était Mike. Et qui n'y est plus. Ah, parce que j'ai regardé où est si le sous-marin à pop. Ok, hein. Bon, du coup, tu t'occupes des deux, what the fuck? Vas-y. Ok, Mike, reste en haut pour voir s'il y a le sous-marin. Ok. Ok, Raznov, vas-y. J'appuie? Vas-y. Ouais. C'est fait. Ok, à mon tour. C'est bon. Oh, what? Eh, mais moi je l'ai fait dès que j'ai entendu le bruit de fil. Est-ce qu'il a pop le sous-marin, Mike? J'ai pas l'impression. Non. Eh ben, autant vous le dire, cette map, elle commence sérieusement à m'emmerder. Pareil. Autant vous le dire. À moins qu'on a loupé l'étape précédente, hein, l'étape des radios, mais ça m'étonnerait. Non, on les a pas loupés. Non, parce que le sonore. Non, on aurait pas le... Ouais, mais... on aurait pas le sonore. Ah, d'accord. Okay. Mais à tous les coups, vous avez pas activé le truc. Le truc. Je vais voir. Mais il y a un... Tu fais le sonar, après il y a un truc qui est activé et après c'est les cordes de brume, mais à tout le coup je l'avais pas fait, du coup c'est peut-être pour ça. Ah, attends. C'est cool, ouais. Ah, c'est, c'est bien ce à quoi je pense, mais. Bah, je vais aller regarder si vous avez fait ou. Ouais. Si j'ai pas fait, c'est normal que ça marche pas. Attends, je vais voir. On se déteste, je pense, mutuellement, hein.
Ouais. Alors, attends, juste, bah, du coup, Kilo, fais les deux, tu feras les deux au fond, là. Les deux îlots ? Ouais. Ok, vas-y, j'y vais. Je retourne là-bas, attends. Et moi, au pire, je ferai celle que... Oui, tu fais la, tu fais la première et la troisième. Ok, je fais la première et la troisième au niveau de la... Ouais, ok. Captage, captage. Vous me dites quand je commence ? Attends, moi je suis pas placé là du coup. Je suis pas placé. Moi je regarde si le sous-marin pop. Bah yes, bah en fait c'était pas fait donc c'est normal que ça. Putain. Oh, putain. C'est qui au putain. Fallait activer quoi. Fallait activer quoi. Ah putain. Bon, en fait le gouvernail. En fait, ouais. Pour le gouvernail, il y a les manivelles à activer. C'est les positions 1, 0 et 3. Ouais. Et ouais. Il faut tourner la proue. Oh putain, c'était dans la partie précédente qu'on a fait. Merde, j'ai oublié ça. Oh. Bon, alors attends. Du coup, je vais refaire. Je vais mettre 1. Ça, c'est 0. Et ça, c'est 1, 2, 3. Voilà. Ah. Là, il y a la lumière, là c'est bon, lumière verte. Et là, c'est bon, je peux commencer. Je vais faire l'ordre. Ok, lumière vas-y, Razov. C'est bon, j'ai commencé. La mienne est faite, vas-y. C'est fait. C'est bon. Ouais, c'est bon, sous-marin et la pop. C'est bon. Venez voir. Ok. Oh, j'arrive. Ah. Il vient de crever. Oh putain. Il a fait un Windows, il a fait un Windows XP chez Windown. Ouais c'est ça, il a fait code erreur, il a vu ça, il a fait allez c'est bon chez. Après on s'étonne que qu'on n'y arrivait pas, c'est normal. À quand on se trompe d'étape, c'est sûr que ça va pas marcher comme on le voudrait hein. C'est bon, il y est. Ouais c'est bon, il y est. Mmh. Ouais, il y a. Donc là, alors, c'est les boutons. En vrai, au moins, si tu sais que tu l'as pas fait, bah au moins, là tu vois. Tu vois ouais. Si tu l'as fait ou pas. Il y a Romero, non, passe pas par là. Bah, voilà. Oh, il est bête, il a fait une explosion sur lui. C'est bon, je le prends. C'est pas. Regardez. En vrai, si vous voulez, je peux vous faire voir ce que vous. Le truc qu'on avait oublié. Non, ouais, c'est ouais, bon. C'est le gouvernail, il fallait tourner deux fois et j'avais oublié. Du coup les gars, là c'est l'étape des cadres hein, normalement. Yes. Ouais. Alors il y a une technique, je sais pas si vous connaissez la technique de... Vous savez de... Que Kenshin avait dit sur BO1 de base, là il y a une technique en fait pour faire tourner deux cadrans en même temps. Oui bah moi c'est celle que j'utilise en fait. Oui bah voilà bah ça j'utilise la technique de Kenshin en fait. Voilà, bah, ouais, tout simplement. Moi, au pire, vous me dites le chiffre et la couleur et je le fais. Hein. Alors, le chiffre, là, il y a les numéros qui sont indiqués, justement. Il y en a un au bateau, il y en a un au stamina, à stamina. Donc, bateau, quand je dis bateau, c'est masto. Il y en a un orange, sur le bateau. Je suis au bouton orange au-dessus de, okay. De l'étage de fil. Ok, bah moi, je vais aller à masto. Vous vous souvenez l'ordre ou pas? Non. Clairement, moi, je vais te dire l'ordre des boutons, non, je pense rien plus. C'est la seule chose que je me souviens plus. Non, c'est la seule chose que je me souviens. Ok, bah attends. Moi, en gros, je peux pas t'aider parce que je connais pas le secret. Alors déjà que de base, le secret, il est merdique. Hein, on va pas se mytho. Ah, George, il est là. Ah merde. Oh putain. C'est bon, je peux faire la meilleure application du monde, vu que c'est le même secret. Moi aussi, oui. On connaît l'appli, hein. Allez. Ouais, l'application Kenshin, hein. Point d'exclamation Kenshin. 2746. Ouais, mais t'as un ordre pour le faire tourner, je crois. 6. 6 jaune, je crois. Non. Bah... non. Pas du tout. Bah... Genre j'ai oui, merde. Oui, aussi les papiers sur les chiffres. Voilà, c'était. Les chiffres écrits. C'est le 2 sur le jaune. Moi, je suis sur le bleu là.
Allez, Georgie. Où? Où, Georgie? Ok. Alors, il faut que tu mettes le 2 sur le jaune. Ensuite, le 7. Faut mettre 2 sur jaune, 7 à l'orange, en faisant tourner le bleu. Ah, donc moi, mon chiffre, c'est 7, c'est ça? Alors. Un fil. Toi, t'es orange, sur quel camp? Sur le orange. Ouais, il faut que je le mette en faisant sur le bleu. Donc attends, je vais te mettre. Tu me dis quand t'es sur 7, mec. Bah, je l'ai pas encore mis sur le bouton 7. Non, non, là. Mais non, mais c'est moi qui dois te le faire mettre. Mais oui, what the fuck, viens. C'est bon, je l'ai. Il m'a mis rouge, bâtard. Je l'ai. Je croyais que c'est bon, t'es sur 7, c'est bon, t'es sur 7. Ok, c'est bon. Ensuite. C'est un zombie. 6 au violet. Le violet. T'avais mis 2 au jaune ou pas au début? Je sais pas. Je sais pas du tout là, j'ai. 10 au violet. Bon, faut commencer par mettre le 2 au jaune. Ensuite, avec le bleu, tu mets 7 à l'orange. Attends, je vais vérifier si le jaune est mis parce que. 4 bleu. Au bleu en faisant tourner l'orange et 2 au jaune. Non, il est où le jaune déjà? C'est compliqué! Le jaune il est tout en haut du phare. Ouais, tout en haut. Vous voulez que je le fasse? Le au jaune. J'ai envie okay. de le faire. Ensuite, 7 à l'orange en faisant tourner le bleu. Donc, tu te remets à l'orange et tu... je vais faire tourner le bleu. Il y en a un qui va à l'orange qui regarde et. Moi je suis sur le bleu. Au bleu qui fait tourner le bleu. Ah oui, non mais t'inquiète. Tu me dis quand t'es et sur le 7, Razav? Reznov, quand t'as le 7, tu lui dis stop. Le 7 orange? Oui. Oui, oui. Dès que l'orange c'est 7, tu le dis. Mais il est déjà sur 7. Ok. Donc 6 au violet, donc je vais aller vérifier le violet. 6 au violet. Merde, j'ai perdu le truc. 6 au violet, c'est bon. Ok. Ensuite, fais tourner l'orange, Reznov. De 1. De quoi? De 1. Je fais tourner l'orange? Oui. L'orange, vas-y. Et là, t'es sur le bleu? Vas-y, je fais tourner l'orange. Ouais, oui, vas-y. C'est ça de vas-y, 1. Vas-y. Là encore? Ça l'a pas tourné. Oups. Moi, je suis toujours sur le 2 là. Donc, ça fait... La manche est passée. Le orange, il est sur quel... Là, je l'ai mis au chiffre 2. Tac. Attends, au pire... attends, on va laisser un zombie... Normalement, là, c'est fait. On va le faire, je vous laisse faire ce que soit. Ouais. On va le faire tranquille. Ouais. Et puis le... Oh. Non, mais parce qu'on a l'habitude de le faire, en fait. Alors moi c'est une map que je joue pas tellement. Voilà. Reznov c'est une map il l'a fait quasiment jamais donc c'est pour ça. Voilà. J'ai juste tu vois je joue peut-être une ou deux fois tu vois mais sinon. Voilà donc à faire. Ah il a remis la machine de la mort de B1. Oui. Refaire. Oui refait mais. Il y a pas une arme vers PHD. Ouais. Je suis pas les derniers. Hein. Oh, t'inquiète. Ah, j'en ai deux, je vais essayer de faire un rampant. Ok, bon. C'est mort, y'a pas de rampant. C'est bon. Ok. Un rampant? C'est bon. Il me fera plus chier. Les gars, ne passez pas la manche. Hey, bah, il a tué Georges, il me fera plus chier. C'est bon. Non, il ne faut pas tuer la manche. Non, ça passe. Ouais, j'avais Dragon donc voilà. Ça a passé la manche. Oh, tu veux savoir où était le zombie mec? Non, il était où? Il était bugué derrière un arbre du fort. Ouais, mais t'aurais dû le laisser bugger. Mais non, il est mort tout seul, il est mort sous mes yeux, frère. Ah merde. En fait, il y a une fonction qui est le bleed out, et du coup, c'est à cause de ça que les zombies ils meurent tout seuls. Du coup, on laisse un zonzon, les gars. Ouais.
Mais là, cette fois, Georges, là, il est... Normalement, si j'ai fait passer entre les deux manches, Georges, il viendra pas faire chier pendant un petit moment. Là. Oui, je suis en train de me demander comment il a codé son truc, en fait. Parce que généralement, l'étape du... Oh non, mais t'es sérieux ? Généralement, l'étape du sous-marin, je peux la faire, mais après le cadran, en fait. Ouais. Donc, je me demande comment il a codé. Non, vas-y, il a respawn, ce chien, putain, non, à cause de la bombe qu'il y a... Oh, s'il l'a bien codé, on peut le faire après. Il a mal codé, c'est secret. C'est mort. Je me demande comment il l'a fait. Demande à Sean. C'est bah, sur Twitter, c'était DMC44 ou tout le genre. On va voir. On va voir. Hein. Tu. Oh, je vais on le faire. On va discuter tranquille. Ça marche pas, c'est que. On va voir. Hein. Il l'a. De genre, je m'occupe de genre. Là, je vais. C'est les clous. Mais... En tant que réalisateur, il est excellent, mais là, dans le gameplay, il est chiant. En tant que zombie... Ouais, il est chiant. Tu la merde. Ah, il est pas mal. Bah, il est pas mal quand tu le contrôles en tant que joueur, hein, certes, mais sinon, non. Voilà, si vous avez la rêve. Ouais. Dégage, dégage. Nique-le bien. Je me charge au truc. Putain, qui c'est qui a passé la manche? Oh non, on a passé la manche. Vas-y! En fait, généralement, on fait les cadrons avant... Oui, avant le sous-marin. Non, même avant la radio. Et on fait cadron, sonar et corne de brume. Lui, Kenshin, il a mis vodka. Ouais, il a mis après la vodka. Ouais, ouais, voilà. Non, non, okay. C'est... Mais après, s'il a bien codé, s'il a bien codé son truc... Bah, c'est bon. S'il a bien codé, parce que dans le Call of the Dead original, on peut le faire n'importe quand en fait. Ouais, tu t'en fous en fait de l'ordre. Mais là, du coup, je sais pas comment il a fait. Il va falloir que tu demandes à l'équipe, hein, parce que. Derrière toi, Ragnar. Alors, en vrai, à moi qu'il ait fait un skip. C'est qui a la VR11 au pire? Moi. Bah essaye le sacrifice. Que j'essaye? Ouais. Peut-être qu'il a fait en sorte de, si tu fais le sous-marin un fort. C'est bon. Tu skips. Là non, il monte. Ah tu skips. Non, il... Il faut le niquer. Non, il est pas monté par la trappe. Ah d'accord. À part le milieu du... Ah non, donc il a pas donc, fait un skip. Donc passe pas la manche, on a tué Georges, c'est bon. Ok, vous avez un zombie, c'est de garder le en vie, tentez pas le rampant. Ah, moi, on l'a pas. J'ai un zombie, moi. Mike, va chercher le zombie de Watt. Attends, Watt, je l'écarte un petit peu. J'écarte un petit peu le zonzon, je le ramène. Vas-y. Bon, on va voir s'il a bien fait le truc ou pas. On peut faire le cadran après. Ouais. Tiens. Cadeau. Oh, t'es gentil. Ouais, t'as dit ça. Du coup, tellement bien intentionné. Ouais. Très gentil. En plus que normalement, jeudi, si j'ai pas de modification, on fait la manche sans sur Nart. Ouais. Mais les gars, vous êtes vous voulez que je vous accompagne? Mais ça va aller à deux gros, on peut... Hey, on va le faire tranquille, allez, c'est terrible. C'est notre mandatoire, les gars, c'est mandatoire, tranquille. On n'est pas des gens zombies. Mais c'est plus long. Attendez, chut, on fait le truc. Du coup, tu veux que je tourne le cadran, what the fuck? Là, t'es quelle couleur? Je suis bleu. Le orange, il est en dessous ou en haut? Il est en haut. T'as jaune, orange... bleu et violet. Oh oui, mais l'emplacement... Je m'en souviens plus. Attends. Ouais, le rouge ou violet, il est en bas, il est tout en bas. Oui, le violet, il est en bas. Du coup, Phil, t'as dit que t'étais au bleu. Au bleu, ouais. Il est au bleu. Ok, vas-y, fais-le tourner. Encore. Hop. J'ai voilà.
Maintenant, faut aller au violet, donc. Ok, j'y vais. Bas. Et tu mets 6. 6, ouais, ça je me rappelle. Là. Voilà. C'est bon ? Ouais. Ok, ouais. Maintenant, retourne au bleu. Yep. Tu me dis quand il est. J'y suis. Ok. J'y suis. Donc là, je vais faire tourner le orange. Jusqu'à ce que sur le bleu, il y ait un 4. Ok, ouais. Vas-y. Là, pour l'instant, ça tourne rien. Ça tourne pas, hein ? Non, je suis toujours sur le 8. Ça tourne pas. Alors, est-ce que... Alors, est-ce qu'il aurait... Non, en fait, faut que tu fasses tourner le bleu pour que l'orange tourne. Oui, mais il a pas fait... Ok, il a pas dû faire la mécanique inverse. Ouais. Parce que normalement, quand tu fais tourner le bleu, il y a l'orange qui tourne. Et quand tu tournes l'orange, il y a le bleu qui tourne. Et du coup, c'est l'inverse. Ouais, il l'a peut-être pas... Ouais, il a pas fait comme ça. Fait comme ça, donc... Ouais, normalement, faut le faire après avec un ring. Donc, faut la faire... 7... 6... mets le bleu sur 0. Ok. Ok. Là, il est le bleu sur 0. 0. Ouais. Ok. Donc, alors... 1, 5... Ok, on va mettre sur 5. Voilà. Je ressors 0. Ouais, attends. Vas-y, mets-le sur 4 pour voir. C'est sur 4. Oh, ouais, putain, sur 4. Putain. Remets-le sur 0, s'il te plaît. C'est bon. Ah non, là, c'est moi qui ai fait de la merde. Vas-y, mets-le sur 4. C'est bon. C'est bon ? Ouais. C'est bon. Et le faut retourner au jaune. Est-ce que ça jaune, fait il est jaune en haut. Ouais, je vais voir. Et là, c'est tourné. Voilà, alors, on va vérifier. Là, je suis au 9. Du bleu. Oh non, mais quel chien il a. Oh là là. Alors, moi j'ai une... Il a inversé toutes les commandes, ce chien. Alors moi j'ai une technique en fait. Il faut faire le jaune d'abord et ensuite faire le violet tout en bas. Et ensuite tu tournes le bleu. Tu regardes le nombre. Tu regardes le nombre qui est assigné, tu sais, pour aller au chiffre qui est assigné au orange. Et t'appliques ce nombre-là sur le bleu. Et ça va faire tourner le orange en même temps. Ouais, mais... Et ça a marché. Ça fera pas tourner le jaune aussi ? Non, non. Ok, bah vas-y, on essaye. Ok, je me remets sur 0 ? Bah, je sais pas, la technique de Mikey, là... Alors, je vous envoie je vais envoyer à... Ah, je la connais pas. Moi, je connais la technique originale, mais il a pas fait comme ça, il l'a pas codé comme ça, donc. Alors, un fil, deux pucks. Moi, je la connais pas, la technique machin. C'est la technique de base pour Call of the Dead, mais après. Il a fait un truc différent. Donc. Voilà. Timecode 3 minutes 36. Ou alors, direct. Ouais, timecode 3 minutes.
exactly what I say very carefully. Shout out to Watch for Wolf for actually making me aware. Alors le jaune, il le met sur 6. Le violet, il le met sur lequel? Sur le 2? Ah non, mais non, mais non, non. Ah, mais il a. Oh. Il a. Complètement différent. Ah, bah oui, c'est pas le même code aussi. Ah, d'accord. Tu vois, c'est pour ça que je disais, il fallait regarder les chiffres hein, sur les différents endroits. Bah oui, maintenant c'est plus comme ça. Avant c'était comme ça, mais. Avant c'était tout le temps 2746. Maintenant c'est à charge de chaque game. D'accord. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est 6. Bateau masto c'est 6. Jaune. 3. Ah oh bah du donc, coup. 6 sur le jaune. Je sais pas comment ça marche. Hein. 6 sur le jaune du coup. Du coup là, il faut que je mette 6 sur jaune. Ouais. Okay. Je vais aller voir hein, justement les numéros. Je suis au violet. Hein. Moi je pensais que c'était comme ah, ouais, violet. Violet. Ouais, moi aussi. Non, en fait, quand Kunjura a annoncé que la map allait sortir, il disait que la plupart hein, du secret ce sera le même tout en gardant frais pour les anciens joueurs. Mm. Donc frais veut dire voilà quoi, les mêmes étapes mais en modifiant un peu. Ouais d'accord, parce que là ouais c'est la même étape mais on modifie un peu. Alors, Honnêtement moi je suis au violet là. Je vais aller voir. Ah oui c'est ça. Alors. Ouais, voilà, le violet c'est 5. Violet c'est 5. Violet c'est 5. Enfin, rouge, violet c'est 5. Oui. Ouais, c'est violet c'est 5. Violet 5, ok. Là faut que j'aille au phare, si je me souviens bien. Donc là faut placer bleu, le, c'est 3. Le jaune et le bleu. Le bleu c'est d'abord. 3. Le bleu c'est 3. Ok, donc je mets 3 au bleu. Ok, c'est bon. Il est déjà passé sur le 3, ok. Non, en fait, faut mettre le 6. Faut mettre le jaune et le rouge en violet d'abord. Oui, non, mais ça, c'est fait. C'est bon. Ah, d'accord. Parce que là, c'est 3 au bleu, là. Et il est déjà sur le 3. Ok. Et ta stamina, justement. C'est là le dernier. Ça, c'est pour grave. Ouais, mais faut t'as pris en compte le fait que quand on bouge un, ça bouge les autres ou pas? Oui, oui. Ah, ok. Bah, c'est ce qu'il dit dans la méthode. Ok, je sais pas. pas regarder, mais. Et deux ouais. Oranges. Deux oranges. Alors, d'après la technique. Ok, deux oranges. Mais là, du coup, y a pas le truc, donc il faut que je retourne sur le bleu. Bah du coup là sur le jaune on est sur le 1. Ok, alors en fait voilà la technique. Tu vas au truc. En fait, faut placer le jaune et le, ouais. le violet d'abord. Ouais. Ensuite. Le jaune, je le place. Ouais. Ok, je le mets sur combien? Ok, donc là, il faut que quelqu'un aille au orange. Non mais attends, regarde-nous. L'orange, il est... l'orange. Bah, attends, là c'est le bleu. Orange, il est l'orange, faut pas le tourner. L'orange, faut pas le tourner. L'orange, en fait, faut pas le tourner. C'est le 2. T'es déjà mal sur 2. Attends, quelqu'un a touché au orange? Non. Je crois pas, non. Ok, d'accord. Vous avez touché seulement au jaune et au violet? Oui. Okay, là, le jaune, je l'ai pas touché. Hein.
pas encore. Donc là, sur violet, j'avais dit quoi? C'était 5? J'ai plus, frère. Oh putain, mais c'était il y a 2 minutes à peine! Que cette box claquée! Donc là, c'est bon. Ah, et là, en fait, faut aller au orange. Et faut regarder le nombre de tours qu'il faut mettre pour mettre le chiffre spécifique hein, sur le orange. Et faut mettre ce nombre de tours-là sur le bleu. Donc là, tu comptes combien de tours il faut mettre sur le cadran pour aller au 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, faut mettre 10 au bleu. Ok, bon. Et normalement, oui. Ça devrait être... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ok. Que dalle, hein. Ouais, le 2, l'orange est sur le 2. Je vais vérifier. Oh, c'est pas 6 au bleu. 6. 6. C'était 6, 6. 6. C'est 6 jaune, 6 violet. Ah. Alors attends, violet il est où? Tout en bas. Là c'est bon. Donc là, du coup, je retourne au orange. Ouais, tu fais la technique que. Attends, il est où l'orange? Putain, j'ai reperdu l'orange. Troisième étage. Ouais, mais j'y suis au troisième étage, mais je vois plus. Le truc. C'est là. Là, à côté de. À droite 1, de la machine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'était le bleu qu'il fallait faire. C'est 10 sur le bleu, pas 10 sur l'orange. Oui, non, mais de toute façon, que tu le bouges là ou pas, c'est pareil. Non. Moi, j'ai pas l'impression. Oh, wale wale wale, c'est quoi ce cri de merde encore qui nous a encore pondu Ouais. Parce que là, attends, si je vérifie, le jaune, c'est sur 6. Non, il est sur 7. Bon, attends, je remets sur 6. Voilà. Donc, faut faire jaune et violet d'abord. Donc, ensuite, jaune, c'est fait, il est sur 6. T'appliques le 10 sur le bleu. Le violet, il est sur 6 ou pas? Oui. Ok, donc bon, là, j'applique 10. Le 10 hein, sur le bleu. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, là, sur le 2. Oh, c'est pas vert. Il n'y a pas de lumière. Alors j'ai mal compté. Attends, je vais revoir les noms. Parce que lui, il a... Oui, parce qu'après, lui, il a fait après, en fait. Il a fait après la table des corps et tout, quoi. Ouais. Donc, ouais, donc c'est bon, c'est bien codé. Ouais, mais Kunjura, il aurait dû faire ça, mais pour... Il aurait pu montrer un gameplay, pas un court extrait d'un tuto. Putain, non. Alors, là, je l'ai à Masto. En fait, il a juste fait un putain de vieux copier-coller de la map, en fait. Bah ouais. Il a fait un copier-coller de la map. Il a remanié les textures pour les mettre en HD et 6 voilà. Jaune. 6 jaune, ok. Je retourne voir le jaune. On peut le dire, il s'est pas fait chier quoi. Il est déjà sur le 6 le jaune. Ah ouais, il s'est vraiment pas fait chier. Hein. Il aurait pu faire comme tag, mettre des zones supplémentaires. Des... Ouais, non, mais il voulait faire en sorte que ce soit vraiment fidèle à la map de base. Ouais. Ouais, bah, il aurait pu laisser le secret comme à l'originel.
Ouais. Je vois. Dans ce cas-là, quel est l'avantage? Oh, désolé les gars. On a tout glissade. Il est violet, c'est sur 6. En fait, parce que c'est parce que les hautes manches sur BO1, tu en solo, tu pouvais t'étais ultra handicapé parce que Ouais, mais quand tu fais le secret sur BO1, fais pas manche 50 ou 70. Les gars, il y a des zombies qui vont respawn. Hein. Ouais, t'inquiète. On fait quoi maintenant? Les gens ils font secret manche 100. Manche 20, voire manche 30. Il y a des gens qui font secret manche 100. Oui, non, mais. Tu peux. Hein. En vrai, ouais, mais ils sont rares ces personnes. Mais généralement, quand on fait un secret sur un Call of, on fait, ouais. Manche 20 maximum, 30 maxi. Ouais. Dans la trentaine, quoi, tu passes jamais au-dessus de la 40, quoi. Bah oui. Par contre, tu veux te donner un défi, des fois tu le fais manche 100, mais voilà. Donc en vrai, ouais, je comprends pas trop le délire des remakes comme ça. Bah, moi je pense que en vrai, d'un point de vue haute manche en fait, personnellement. Ouais, et encore des hautes manches en vrai. C'est plus agréable de faire des hautes manches sur BO1. Hein. Oui. En vrai, ouais, tu peux pas dépasser la 99. Tu peux pas. Donc là, sur le bleu, Mike, je tourne 2-10, c'est ça? Ouais. Attends, le bleu, il faut que j'aille voir un. Quel set? Putain, j'ai encore du mauvais chemin! Que tu veux aller voir, passe de Stamina? Ce secret, c'est en train de me fatiguer. Ouais, moi aussi. Stamina, j'ai déjà vu, c'est deux oranges. Ouais, moi aussi, c'est orange. De merde, là, il commence à me. Oh, bah, c'est sûr, après, il va pas falloir s'étonner si je l'enlève, hein. Moi, je vous le dis. Ouais, je te dis, moi, je vais faire le secret après. J'ai des. Hasta la vista, je la touche même plus, quoi. Ah, mais moi non plus. Bon. À la limite, on va faire, tu sais, l'Easter egg que faisait Mikey pour l'hommage à Romero. Et après, on se casse, hein. Un 5 rouge sur le. Mais après, moi perso, ça dégage, hein. De quoi t'as dit? D'accord. 5 rouge. 5 rouge? 5 violet, quoi. 5 violet. Ok, je mets 5 sur le violet. Ok. Ok, c'est bon, 5 sur le violet. Le orange qui touche pas. Non, c'est le bleu. Et le bleu, c'est 3. Ouais. Bon, fait qu'on se termine au plus vite ce secret de merde là. Ouais, mais t'inquiète. Ouais, j'avoue, parce que. Parce que là, même moi, ça commence à me casser les couilles. Hein. Pareil. Ça commence sérieusement à me briser. Du coup, là, il faut qu'il le bleu soit sur 3. Le seul point négatif de la map, c'est son secret. Du coup, là, je le mets que sur 3, on est d'accord, je le tourne que d'un. Ouais. En fait, là, faut que tu regardes hein, sur le orange, hein, qu'est-ce qu'il faut pour. Quel nombre de tours il faut pour arriver au 2 et tu l'appliques sur le 10. Enfin, et tu l'appliques sur le bleu, pardon. Ah. Ok, là j'ai décroché, là c'est bon, c'est... Moi aussi. Hey, gros, t'as pris chez nous ou quoi, mec? J'ai décroché, c'est bon. Hey, gros, pour que les explications de mec, gros, c'est LV4 chinois, là, mec. Tu regardes sur le haut, c'est pas compliqué, tu regardes sur le orange combien de tours il faut que tu tournes le cadran. Et ensuite tu l'appliques sur le bleu, le nombre oui. que t'as trouvé. Tu regardes quoi? Parce que tu regardes sur le orange. Le orange, tu oui. Tu regardes quoi sur le orange? Parce que là le orange il est sur 2, Mike. Tu regardes le nombre de tours hein, que. Tu regardes sur le orange le nombre de tours qu'il faut tourner pour accéder au 2. Mais il est déjà sur le 2. L'orange? Oui! Déjà là, c'est plus clair, Mikey. Oui, mais j'avais pas compris. Je... Là, c'est bon, là, c'est clair. Waouh, bah. Ouais, j'avais pas compris. Alors, je m'entends pas. Bientôt, il y aura la langue de Mike auquel on va devoir l'apprendre. Hein. Parce que, frère, prouve. Ce que t'as vu, c'est déjà sur le 2. Le orange, ouais, bah. Je tourne le bleu pour le 3. Ouais, bah, essaye. Ouais, dites-moi que c'est fini cette merde. Ouais, non, ça fait tourner, ouais.
Au pire, on peut pas faire juste l'historique de George Romero là pour l'hommage et puis après on se casse. Oh, j'avoue que là je suis pas contre. Hein. Oh là là. En vrai, le créateur, tous, hein. Il m'a dégoûté du secret. Hein. Franchement. On le connaît tous, le secret de Call of the Dead. Hein. Ouais. Non, pas de base, mais bref. Je m'en fous, je le ferai limite en solo quand je mettrai Black Ops en Plutonium et bah les couilles quoi. En vrai, là, avec la V11, on fait un sacrifice et puis c'est la fin quoi. Ouais, tu récupères le bâton doré, tu le donnes à Richtofen. Parce que là, j'ai limite envie de tourner lui sur le. Sur ça le 2. Ça t'ouvre la porte, ça te donne un bonus Wunderwaffe. Et voilà. Et puis. Et là, clairement. Et là, ça a dû tourner le jaune. Si je m'abuse. Le bleu, c'est 3. Oui, le bleu, c'est 3. Ok, bon. Et voilà, ça a tourné le jaune. En fait, l'orange tourne le jaune. Attends qu'il y a un tuto français qui sort, parce que là, c'est bon. Moi, j'en ai marre de la main, gros. On fait l'hommage à Roméo, vas-y, bah les couilles. Ouais, voilà. C'est... Ouais. Ras le cul de la map, franchement, là, non, c'est de la merde. Il... En vrai, s'il voulait faire un remake, il aurait pu laisser les étapes de. Déjà, un remake, on le laisse à 100%. Bah oui. Pas modifier les étapes pour Pierre, mes couilles au bord de l'eau, là. En fait, il aurait dû juste modifier, effectivement, les graphismes, mais laisser les étapes comme elles sont. Et pas casser les couilles. En fait, le problème, c'est que. Parce que là, honnêtement, Mike. Il y a pas de communication entre les Français et les Anglais, c'est ça le souci. Parce que là, Mike, si tu veux, je suis là sur le 3, mais du coup, bah, ça va rien faire, quoi. Enfin, j'ai juste le bouger dans le vide, quoi. Ouais, mais laisse tomber, Phil, c'est bon. Le Reagan BO3 est vraiment éclaté. On fait l'hommage à Romero. Ouais, bah, voilà. Elle est là. C'est bon. Allez, vas-y, on se casse. Allez, c'est bon. Il aurait pu mettre le Reagan BO1. Hein. Attendez-moi avant de partir. Non, mais ça, c'est de la pure flemme, je suis désolé. Allez, venez tous propulseur là. Attends. Ouais, en fait, non. Il y a George. Mais Georgie. On s'en est... rend, on va plus le voir bientôt. Elle est où là? Tu le tremplin. Il est où? Il arrive. Elle est où la pièce à récupérer là? Il a déjà récupéré. Ok, bon, bah posez là, let's go. Attends, Phil, attention. Phil, t'es du bon côté, pose là. Je peux pas la poser. Bon. Je peux pas la poser. Allez, faut attendre votre de fuck. Attendez votre de fuck. Comment on fait? Oh non. Salut mec. Bon, que Watt il se dépêche parce que Romero il est au spawn. Je suis là. Salut mec, ça va? Oui, je suis là. On y va. I believe I can fly. Et là, on est dans la zone de tag. Et là, regardez. Voilà. Tous les films de George Romero. Voilà. Pas mal. Petit hommage, pas mal. Et là, c'est le zombie qui justement, c'est... Et ah ça, oui, qui l'a emmené. Le modèle en question, là, que l'on voit, c'est un modèle de Black Ops 5 qu'il a pris. Et il joue la musique de Not Ready To Die, mais en acoustique, je crois, si je me souviens bien. Voilà, bon, on va sur ce chat, live fini, ouais. Hein, c'est bon. Ça m'a saoulé, ça m'a... Vas-y, coupe la game, c'est bon. C'est bon. J'essaierai peut-être moi de regarder pour voir pour vous faire un tuto si jamais je peux. Ouais. Et puis si jamais j'arrive surtout à comprendre comment tournent les cadrans parce que sinon c'est une horreur. Ouais. Et puis voilà. Ce map de merde. De ouf. Allez, pour dire que c'est de la merde. C'était de la merde. Sur ce chat, merci à tous d'être passés. Ça m'a fait énormément plaisir de tous vous voir. Et puis nous on se donne rendez-vous demain pour The Forest. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.